Bonjour à ceux qui se connectent. On va attendre encore un petit peu, puisque notre invité est un petit peu en retard. Oh, un de tes amis est en live, on lui envoie une invitation pour passer ensemble. Geneviève France, bonjour. Alors, le thème, vous avez vu, on en a parlé il y a quelques jours, c'est le diagnostic de performance énergétique. Et ses conséquences pour l'immobilier, que ce soit l'immobilier à la vente, l'immobilier locatif, il va y avoir plein de conséquences et je vous invite à partager ce live, à vous abonner pour pas louper, puisque en fait maintenant, pour pas louper les prochains lives, puisque si celui-ci fonctionne bien, on va voir un petit peu, puisque quand Franck va arriver, c'est un motard, donc il ne va pas tarder. On va voir si techniquement on peut faire un live à deux et partager l'écran sans que ce soit un petit peu curieux. Donc bonjour à tous. Bonjour Saber Ben Youssef. Bonjour Séverine. Bonjour Jo. Bonjour Ucha. Bonjour Joël, bonjour Chris, Vilaine, Jean-Marc, bonjour Carole. Donc l'idée c'est vraiment de faire un échange, un petit peu comme ce que l'on fait à chaque fois, mais là avec une thématique bien précise qui est le tectonique, le diagnostic de performance énergétique dans l'ensemble du dossier des diagnostics techniques. Voyage 028, bonjour. Bonjour Karine. Bonjour Michel. Crochet Malo, bonjour. Alors il a une vraie pétaudière mais avec sa moto, donc on va l'entendre arriver. Bonjour Sophia. Bonjour Ludovic. Donc préparez vos questions sur les diagnostics de performance énergétique. Toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Et bonjour Annie. Bonjour, merci d'être présente. Bonjour. Bonjour Zitoun. Bonjour Stéphano. Alors, comme vous ne le voyez pas, normalement il est là. Mais il arrive. En fait, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux dans les adresses. Parce que pour organiser un simple live, en fait, je me rends compte qu'il faut un câble, un machin, un trépied pour faire tenir le téléphone, pour que ce soit plus simple, pour pouvoir essayer de partager tout en voyant vos questions. Mais je pense qu'on va y arriver. À ce propos, j'ai lu que 45% des locs à Paris faisaient partie des logements énergivores. Oh, mais c'est sûr, non louable, évidemment. C'est sûr. On a des propriétaires. Moi, je me suis fâché avec un propriétaire qui souhaitait que je trouve quelqu'un pour l'arranger et mentir sur le diagnostic de performance énergétique. Voilà. Donc, c'est sans moi. Ouais, c'est énorme, bien sûr que c'est énorme. Il faut dire, bonjour Maddy. Il y a l'autre fou qui arrive avec sa pétaudière. Je me demande même si vous ne l'entendez pas arriver. Bien sûr que c'est énorme. Il faut dire aussi que... Je vais lui dire qu'il déconne avec son pot d'échappement, lui. Il faut dire aussi que l'architecture parisienne ne se prête pas forcément. On est principalement dans des bâtiments qui datent du début 20e siècle. Enfin, pour parler facilement, on ne va pas faire le mariole, des années 1900. En 1900, on est bien loin des considérations actuelles de performance énergétique. C'est le bruit d'une pétrolette, je te le confirme, m'a dit. Je te le confirme bien volontiers. Donc voilà, donc ceci expliquant cela. Ici, on est dans un immeuble années 50. Donc on a de beaux châssis en bois, du simple vitrage. Bref, c'est une cata. Et en face, on a un immeuble 1900, grande hauteur sous plafond. Enfin,
C'est anachronique par rapport à ce que l'on demande aujourd'hui à un logement, pour peu que l'on souhaite qu'il ne soit pas énergivore. Je vous abandonne, je pense, 3 minutes. Je descends, je lui ouvre la porte et je reviens. Donc, je ne vous abandonne pas. Enfin, si, je vous abandonne, mais 3 minutes. Je vous laisse découvrir l'arrière-plan, là, parce que c'est de ça dont on va parler. Je reviens. Donc me revoilà avec notre acolyte. Voilà, bonjour, bonjour. Alors il va enlever son cuir, il va enlever tout ça, prends ton temps. Merci d'avoir patienté. Donc il va se présenter lui-même et puis on va voir comment on fait pour partager un petit téléphone. Les locataires vont galérer à trouver, cela ne va-t-il pas entraîner une hausse des prix des locations? Alors, à Paris, on a ce que l'on appelle, c'est la DRIL qui fait ça, c'est l'encadrement des loyers. Donc, même si on est donc à l'abri, entre guillemets, d'une hausse ou d'un emballement des prix du marché. Voilà. Donc, mais il y a les lois et il y a la réalité du marché. Donc, effectivement, vous avez des propriétaires qui se contrefoutent, pardon. Des diagnostics de performance énergétique. Ça, c'est pas bien. Ben non, c'est pas bien. Mais c'est la problématique de mettre des lois du jour au lendemain. Il aurait peut-être fallu avoir une phase. Alors, voilà. Donc, le voilà. Bonjour à tous. Alors, ce que je vais faire, étant donné qu'il va être un peu plus important que moi. Pardon. C'est pas grave, il va faire tomber tout le matos. Franck, je te laisse te présenter. Alors bonjour. Et mets-toi dans le cadre. Absolument, ça sera mieux. Alors d'abord, c'est mon premier direct, hein, donc soyez indulgents. Donc je me présente, Franck Sadoun, société Diagvision, diagnostiqueur depuis 15 ans et certifié dans tous les domaines et particulièrement le DPE, puisque ça va être l'objet, je pense, de notre live. Exactement. Et donc tu vois, Maddy, tu vois ici. Alors, il faut qu'il mette ses lunettes. Alors, excusez-moi, hein. J'ai vieilli, je vois plus rien. Oui, bon, alors c'est fait de briques et de broc, hein, vous vous rendez bien compte. C'est ça de travailler avec des vieux. C'est quelle chaîne? C'était TF1? Oui, c'était TF1, Planète Mars. Ok. Voilà, Maddy, qui t'a entendu arriver d'ailleurs. Juste petite parenthèse, parce qu'avec ta pétodière, on t'entend jusqu'ici en fait. Ah, d'accord. Toi, t'es pas très DPE en fait. Je suis très DPE, ouais, mais voilà. Pour le bâtiment. Donc voilà, donc Maddy fait de la moto. Voilà. Ah, bon, bah, petite parenthèse, maintenant, ce que je vais faire, c'est ça, et comme ça, on voit un petit peu mieux les commentaires. Donc voilà, donc le spécialiste dont je vous parle très régulièrement, alors voilà, on a. Alors, ça, c'est typique, c'est pas bien grave. On a toujours un comique lors des lives, mais on a la chance d'avoir un petit peu de monde qui va le dégager. Alors, moi, je peux le dégager. Alors, le comique, il est là et on va le dégager. Il y en a toujours. Oui, hop. C'est pas du tout ça ce qu'il faut faire. Au départ, moi, je répondais à ces gens-là et en fait, ils sont juste là pour nous faire perdre du temps, donc ça sert à rien. Oui, mais c'était très drôle ce qu'il a dit. Ah oui. Moi, je suis vraiment. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Ouais, moi, je suis mort de rire. Heureusement qu'il était là. C'est une bonne ambiance. Ne lui. Oui, exactement. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Il y a quand même des personnes qui m'ont demandé de faire un live ou une vidéo spécifique sur le diagnostic de performance énergétique avec les conséquences, aussi bien pour. Merci, Soufiane, de nous suivre. Aussi bien pour la location. Là, tout à l'heure, on avait quelqu'un qui se disait mais quelles vont être les conséquences dans l'immobilier locatif.
Oui. Et à titre perso, j'ai fait une estimation, moi, il y a quelques jours, et je me doute bien que le diagnostic de performance énergétique va être épouvantable. On est dans un immeuble années 70, des châssis en aluminium, simple vitrage, des toasters en guise. Je sais. Bonjour. Alors, tu vois, Fred, voilà comment ça marche. Je lui explique parce que c'est son premier live. En fait, les gens vont écrire. Et D'accord. ça, c'est pour toi, regarde. Oh, bonjour Fred de 007. Voilà. C'est Fred James Bond. Donc, on va avoir vraisemblablement des répercussions. Moi, il a déjà fallu que j'explique. Il va t'appeler d'ailleurs, j'ai donné tes coordonnées. Oui. Qu'il va y avoir des répercussions entre deux appartements comparables, aussi bien en surface qu'en environnement, en état. Imaginons qu'il soit dans le... Bonjour, la loi est passée, mais la date limite. Bon, alors ça va commencer comme ça. Et moi, bonjour. Bonjour, Dany. J'avais pas vu. Donc l'idée, c'est qu'il va y avoir des répercussions pour le marché locatif, pour le marché transactionnaire. Pourquoi? Puisque c'était très Alors. simple. Entre deux appartements comparables, si tu en as un qui est classé en G, et imaginons que ce soit réalisable qu'il y en a un qui soit classé en A, les gens vont plutôt faire des offres sur le bâtiment A que en G. Évidemment, Mais voilà. évidemment. Maintenant que j'ai fait cette que j'ai interrompu notre invité, je lui laisse lire. Alors voilà, les questions déroulent ici. Alors, bonjour à tous, hein, déjà, puisqu'on a plein de bonjours, donc je vais dire bonjour à tous, comme ça je vais froisser personne. Qu'on doit déclarer être. Non, non, non. Non, Alors ok. les questions, elles arrivent par le haut. D'accord. Alors, la Donc. loi est passée, mais la date limite. De quoi parle-t-on en fait? Alors, parfois, on a nos invités, parce qu'en fait, on vous invite chez nous, Alors, qui je posent des fais. questions, mais on ne sait pas de quoi on Alors, parle. juste pour faire simple. Ah bah, c'est pas moi là, hein. C'est un D'accord. autre bruit. Ah, c'est Incroyable. la fête Ah ici. ouais. Alors, en fait, c'est simple. Le DPE, il n'y a pas de. Il y a la vente et la location. Pour la vente, il n'y a aucune restriction. C'est-à-dire que vous pourrez le vendre même en G, plus, plus, plus. C'est uniquement pour la location où il va y avoir des restrictions en fonction de la lettre et du chiffre, enfin, du kilowattheure par mètre carré et par an, où il va y avoir des dates limites, des dates butoirs, au-delà desquelles vous ne pourrez plus louer l'appartement. Par exemple, le G commence à 420 kWh par mètre carré par an. En fait, il est divisé en deux. Au-dessus de 450 kWh, je ne vais pas rajouter mètre carré par an parce qu'on ne s'en sortira pas. Au-dessus de 450 kWh, c'est déjà interdit à la location depuis janvier dernier. De 420, donc du début du G jusqu'à ces fameux 450, ça sera au 1er janvier 2025. OK. Ensuite, en F, ça sera au 1er janvier 2028. Et en E, ça sera au 1er janvier 2034. Ça va être les dates butoirs au-delà desquelles vous ne pourrez plus le louer. À moins, évidemment, de faire des travaux de rénovation énergétique pour pouvoir descendre la lettre et que ça soit dans une lettre favorable pour vous, pour votre locataire et pour la planète. Alors, bonjour Franck, le DPE est parfois basé sur les précédentes factures EDF ou GDF. Alors, bonjour Bugatti, hein, évidemment. Alors. Merci Adour. Alors, parce qu'en fait, l'intérêt de tout l'exercice, C'est de c'est que les questions répondre. sont non-stop, c'est 360 degrés. Ok. Et parfois, alors, c'est une vraie communauté en fait, puisque tu vois que certaines personnes répondent à d'autres. Moi, j'adore le live, hein. C'est Ouais, un truc de mais tu vas voir, c'est sympathique. passionnant en fait. Alors, juste un truc. Là, j'ai vu une question passer qui était intéressante au niveau des factures. Sur quel site de... Non. Bon, ça, quelqu'un a Ah, gentiment voilà. Bonjour, répondu. Franck. Le DPE est parfois basé sur les précédentes factures EDF ou GDF. Ceci, c'est terminé. Ça, c'était l'ancienne version jusqu'en juin 21, jusqu'à fin juin 21. C'était encore sur facture pour les vieux immeubles. Bon, cette méthode, elle est finie. Maintenant, c'est une seule et même méthode pour n'importe quel appartement. C'est une méthode conventionnelle. Il n'y a plus de facture énergétique à prendre en compte. À la limite, on peut les prendre, ces factures énergétiques, pour faire un comparatif. Ouais. Mais vu que c'est des résultats standardisés, souvent il y a des écarts entre ce que les gens payent réellement et le résultat du DPE en disant bah, cet appartement il consomme tant. Ben, souvent il y a des écarts parce que c'est une consommation standardisée et personne n'utilise son système de chauffage standardisé. Il va prendre son souffle parce que j'ai peur qu'il nous fasse Non, parce que je veux un répondre, parce que AVC. je veux Oui, non, mais répondre à je toutes les sais, je questions, sais. Oui, moi. mais Hein. Et vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, t'inquiète. ok. Peut-on louer un logement? Alors,
quand même une chose intéressante, c'est que alors les questions, on peut pas, elles peuvent pas faire 10 lignes. Donc les gens sont obligés de les saucissonner. Oh, moi j'aime bien ça. Peut-on faire un DPE à distance? Il y en a qui le font, figurez-vous. C'est absolument interdit. Alors attends. Déjà, il faut. Qui a posé la question? Fred. C'est Fred007. 7. Donc la réponse, elle est pour Fred007. La question est, peut-on faire un DPE à distance? Non. Voilà la réponse de Franck Sadoun. C'est impossible. Personne ne peut faire un DPE à distance. Il y a trop de mesures à prendre dans l'appartement. C'est impossible. On oublie, c'est impossible. Celui qui le fait à distance, changez vite, fuyez. Mais alors, à grands pas. Très vite. On en a parlé hier. Bon, c'est pas grave si vous ne me voyez pas. C'est toi qui est important. L'idée de départ, c'est que celui qui veut vous dire oui, c'est possible, vous pouvez être sûr que dans 6 mois, il a fait un dépôt de bilan. Il a remonté une autre structure juste pour éviter tous les problèmes. Donc, évitez ça. C'est vraisemblablement même moins cher. Mais les problèmes, en fait, dans la vie sont gratuits. Donc, juste souvenez-vous de ça. Absolument. On peut le dire, c'est une bonne philosophie. Absolument. Merci, Imen, d'avoir partagé la vidéo. Voyage 028. Alors, il y a Morad, qui pose une question. Peut-on louer un logement classé E? Oui, jusqu'en 2034. On peut le faire, il n'y a aucun problème, on peut le louer. Et en 2034, par contre, au 1er janvier, si vous n'avez pas fait des travaux de rénovation énergétique pour baisser cette lettre, donc d'arriver au moins en D, ça sera fini pour vous. Ça vous laisse encore quelques années pour savoir si vous préférez le vendre ou faire des travaux de rénovation énergétique. Et on est d'accord que plus on va se rapprocher de cette date fatidique pour les logements qui sont en E de 2034, plus ça va être difficile. Plus on va être pressé par le temps. Absolument. Et puis, si vous voulez, les sociétés de rénovation énergétique, il n'y en a pas des millions. Donc, il y a beaucoup de boulot, c'est du travail. Il faut s'y prendre. Si vous pouvez vous y prendre à l'avance, faites-le. N'attendez jamais le dernier moment parce que vous allez vous faire assommer sur les prix. C'est même pas sûr que vous trouviez de la place avant votre échéance. Donc, si vous êtes en E, vous avez le temps, mais n'attendez pas le dernier moment pour le faire. J'avais même pas pensé à ça. Ah bah si. Évidemment. Et puis les matériaux, ils augmentent aussi. Bien sûr. Voyage 028, j'ai très bonne question. J'ai oublié de prévenir ma maman que je passe à la télé. Ah bah oui. Okay, bon. Je lui envoie un message. Vous avez prévenu, il est un peu con, il est comme moi. Voilà. Mais on est attachant. C'est ça. C'est la coupe qui fait c'est ça. C'est la coupe. Voyage 028, comment faites-vous si le logement n'était pas habité? Alors comment tu fais pour avoir... Puisqu'il n'y a pas de facture, mais imaginons que ce soit depuis un an ou deux. Alors, c'est ce que je disais juste avant, on ne travaille plus sur facture. Donc, il peut être vide depuis 20 ans. À la limite, on s'en fout complètement puisqu'on n'en tient plus compte des factures pour faire le DPE. C'est une méthode conventionnelle où on n'a que des mesures à prendre avec nos lasermètres, vitromètres, enfin, tout ce qu'on a à notre disposition. Mais on n'utilise plus les factures, donc ce n'est plus un souci. C'était le cas avant, mais on n'en parle plus d'avant. On oublie. Donc là, on peut le faire même si personne n'y habite depuis plusieurs années ou plusieurs... décennies, ce qu'on veut. Alors, on va saluer Guy. Bonjour, Fifi. Bonjour. Tony Lheureux qui nous suit. Merci beaucoup. Alors, Dour, ça, c'est l'ancien système, les factures. Ah ben voilà. Donc, Dour, a priori, ça doit être un de tes collègues parce qu'il connaît le principe, lui. Certainement. Ouais. Certainement. Bonjour, Dour. Voilà. Imen, OK, super, merci. Du coup, nous devons faire appel dès aujourd'hui à une société pour savoir quelle lettre. Alors attention, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois sur l'ancienne vidéo que l'on avait fait ensemble. Mm-hmm. Attention, un entrepreneur, lui, il va vous dire ce qu'il faut faire, mais sans aucune garantie de résultat. C'est-à-dire qu'il va vous dire, changez cette fenêtre, isolez ce mur, faites ceci. Ok, super, mais vous n'allez pas savoir sur quelle lettre vous allez tomber. Bien sûr. Voilà, nous, en tant que professionnels, on peut dire, on peut faire des projections et dire, OK, on isole le mur nord, le mur est, par tant de centimètres d'épaisseur ou par une isolation avec une résistance thermique de temps, etc. On peut se projeter et se dire, voilà, si on fait tel type de travaux dans les règles de l'art, de la classe F, admettons, on va arriver en D. Et ça, on est sûr, c'est le logiciel qui le calcule. Un entrepreneur, lui, il n'a pas l'outil pour pouvoir vous dire précisément, OK, on fait tel travaux, vous allez avoir telle lettre. S'il n'est pas certifié DPE, s'il n'a pas le logiciel, il peut pas, il n'y a aucune garantie de résultat. Donc, c'était quand même important de le dire.
Alors, un imprévu, l'alarme qu'on a entendue tout à l'heure, oui. C'est un gentil livreur qui a fait tomber trois scooters. Donc, étant donné que je n'étais la plaque, je descends pour le donner à monsieur qui est en train de relever tout seul son scooter. Je vous laisse en présence. Attention, je ne suis pas en scooter, je suis en moto, c'est pas la même chose. Excuse-moi. L'ancien système, génial. Alors, ici, tu verras. Vous avez la même coupe. Oui, alors oui, Annie. Mais pas la même barbe. Hein. Ouais. Mais pas le même papa non plus. Hein. Ah, ça, oui. J'espère c'est pas la même mère d'ailleurs. Oui, voilà. C'est vrai, on a la même coupe. Bonjour. Donc, je descends donner le truc. Et donc, regarde. Tu as les questions. Travaillant dans la rénovation énergétique, je crois que ça va m'intéresser aujourd'hui. Là, voilà, tu vois. Je te laisse faire comme ça. OK. Et alors, on a Annie qui nous aide beaucoup parce que quand il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, oui. Elle est assez sympa pour la remonter. Elle gère en fait le truc. D'accord, OK. J'arrive. OK. Alors, l'isolation de l'intérieur, quand l'isolation de l'extérieur n'est pas possible, peut changer de E à D. Oui, absolument. Alors, déjà, en fonction des immeubles, en copropriété, même, c'est même pas en fonction des immeubles, en copropriété, vous ne pouvez pas isoler par l'extérieur sans l'autorisation de la copro. Puis en général, c'est toute la façade qui doit être isolée par l'extérieur. Or, là, quand on fait des recommandations sur du collectif, je ne vais pas proposer une isolation par l'extérieur en sachant très bien que ça sera impossible ou pas voté ou quoi que ce soit. Donc oui, on va isoler par l'intérieur. En faisant des calculs par notre logiciel, en mettant des épaisseurs d'isolant ou des résistances thermiques précises, on peut faire des projections et de savoir si on va être de E, si on va passer en D ou peut-être en C, je ne sais pas. Alors en dessous, ça m'étonnerait, en faisant que de l'isolation, il faut travailler sur plusieurs postes pour avoir un meilleur résultat. C'est comme une voiture, si vous changez que, pour faire une voiture de course, vous changez que les pneus, ça va améliorer, mais vous n'aurez pas une voiture de course. Et là, pareil pour la rénovation énergétique, il faut travailler en globalité sur le bien et pas juste sur un seul point comme l'isolation des murs. D'ailleurs, quand on isole les murs, il faut aussi travailler la ventilation parce que sinon, ça risque de créer des pathologies dans l'appartement. Alors, si je fais les autres, j'ai vu une question. Quand vous êtes sur du collectif. Alors ça, c'est une question de vos... Alors, quand on travaille sur un immeuble en chauffage collectif, évidemment, les recommandations, elles vont porter sur tout sauf le collectif, à moins que ce soit une vieille chaudière. Parce que le collectif, vous n'avez pas la main dessus. Effectivement, il faut que ce soit voté en AG. Ça prend du temps. En général, les gens, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir changer l'étiquette rapidement et sans avoir à demander rien à personne. Donc ça, c'est important de le dire. Comment faire quand on est locataire et que c'est mal isolé? Donc c'est Fisgas. Bonjour à tous encore. Alors, comment faire quand on est locataire et que c'est mal isolé? Déjà, vous regardez votre DPE, ça doit être marqué dessus. Alors, le souci, c'est qu'il y a encore l'ancien DPE qui se chevauche avec le nouveau jusqu'en 2025, puisque la loi dit que les anciens DPE qui ont été faits, je crois, entre 2018 et juin 2021 sont valables encore jusqu'au 1er janvier 2025. Donc, il faut qu'on parle du même DPE. Si on parle de l'ancien et on fait le nouveau, ça ne sera forcément pas la même lettre. Enfin, il y a de très fortes chances. Donc, quoi faire quand on est locataire et c'est mal isolé? Il faut regarder. Il faut en parler à son bailleur. Mais si vous avez signé le contrat de bail avec le nouveau DPE et vous avez froid, j'ai envie de dire mettez une couverture ou un pull parce que le locataire, le bailleur, s'il ne veut pas faire de travaux, il n'est pas dans l'obligation. Je me demande si on n'a pas un recours en tant que locataire avec la mairie de son arrondissement. C'est pas impossible. Hein. Il s'agit pas de créer des tensions, mais il s'agit simplement d'aider de potentiels locataires avec des propriétaires qui sont indélicats et qui. Alors, est-ce que c'est un vrai ou un faux DPE d'ailleurs? Il n'y a pas de vrai ou de faux. Il y a soit les anciens, soit les nouveaux. Imaginons que la personne ait donné 100 balles. On a parlé de ça hier ou avant-hier, juste pour que le diagnostiqueur, au lieu de mettre D, mette D.
Et ben en fait, pour 100 balles, il a perdu sa boîte quasiment, parce que s'il a un procès, si ça ne correspond pas du tout, il risque d'être drôlement embêté, D'accord. et c'est très risqué. Moi, j'ai fait un appartement en fin de semaine dernière dans un immeuble de 1650, et j'ai vu le DPE qui a été fait à nouveau. La personne qui l'a fait a mis du béton banché en 40 cm pour un immeuble de 1650. Donc je pense que le type n'est même pas venu sur place pour le faire. Ah oui, C'est d'accord. ouais, bon. Mais on voit des choses drôles hein, parfois. Hein. Bon, après que les gens fassent des erreurs, ça peut arriver, mais là, c'est même plus une erreur, c'est une non-connaissance du bâtiment. Alors là, vous pensez quoi de ma prime rénov? Bah, moi, j'ai jamais fait appel à ma prime Rénov', je ne sais Moi pas. non plus. Techniquement, comment ça marche, je crois que c'est un peu compliqué pour l'obtenir, mais ça peut s'obtenir, mais c'est assez compliqué. Alors, je rentrerai pas trop là-dedans parce que je ne suis pas assez calé pour vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je suis honnête, hein, Non, ne pas dire de bêtises. mais c'est pour ça que tu es là, hein, parce que, Oui. alors, Franck, c'est comme moi, tu es mon homologue, d'après moi, dans l'immobilier. Absolument, C'est-à-dire que dans quand on ne l'immobilier. sait pas faire, on dit je ne sais pas Ah, faire, on se renseigne, absolument, absolument. Mais et je ne dis pas on n'importe va vous quoi. conseiller en bon père de famille. C'est-à-dire qu'on va donner des conseils comme si c'était pour nous. D'ailleurs, nous sommes pères de famille aussi. Absolument, Donc tous ça les deux. Oui, mais il ne peut. faut pas le dire, on ne sait jamais. Non, 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 non. Je De sais quelle famille? bien, et oui, exactement. Comment savoir si c'est le nouveau DPE, Doula? Alors, c'est très simple. Ils n'ont pas du tout. En fait, les DPE sont normés. Les nouveaux DPE, comme les anciens, ils avaient une maquette que l'on était obligé d'utiliser. Le nouveau DPE, il a. Alors, comment le dire? Il a énormément de couleurs et il est beaucoup plus long. Les feuilles sont colorées, alors que l'autre, il n'y avait que les deux, comment dire, étiquettes énergétiques et gaz à effet de serre qui étaient en couleur. Tout le reste était en noir et blanc. L'ancien faisait 4 pages ou 5 pages. Le nouveau, il en fait une vingtaine. Ah oui, donc est-ce que c'est 4 fois plus de temps pour le faire? Ah oui. Ah oui, non, c'est beaucoup plus long. Ça n'a rien à voir. Et à faire sur place. Et à faire le rapport. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que le prix des DPE a aussi augmenté considérablement parce qu'on ne passe pas du tout le même temps. Ça n'a rien à voir. D'accord. Voilà. Je ne savais pas encore. Vous pensez quoi? Alors, on a répondu MaPrimeRénov'. Alors, faut bien aussi dire une chose, c'est que dans Paris. Toi, tu travailles principalement dans Paris et Première Couronne, Absolument. j'ai envie de Voilà. dire. Moi, je suis du 92, donc je fais l'Ouest parisien et tout Paris. J'étais dans le 20e juste avant de venir, par Voilà. exemple. Donc, oui. On a rarement, enfin moi j'ai jamais eu un client qui m'ait dit je vais bénéficier de ma prime rénov. Alors le truc, c'est que les gens en général font un DPE quand ils vendent, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de transactions plus que de Ouais, locations. d'accord. En fait, ils vont vendre, donc ils ont besoin d'un DPE. Le DPE, ils le donnent à leur acheteur, et moi après, je ne sais plus du tout ce qui se passe, parce que Ouais. la boucle est bouclée, la Ouais, vente bien a sûr. été faite, les diagnostics sont passés devant chez le notaire. Après, je ne sais pas ce qui a été fait Alors par tu la vois, suite. regarde, YoYox par exemple, gentiment, répond aussi, quand on répond pas assez rapidement, puisque tu vois, on a 18 nouveaux messages Ah oui, de d'accord, retard, ouais, ok. mais c'est le principe. Donc Ok. tout le monde patiente et on s'entraide les uns les autres. C'est une vraie commune, c'est ça qui est. Je fais une petite Faut que je me parenthèse, dépêche hein. parce que il faut que je me dépêche parce qu'après je vais sur LCI. En fait, j'ai une autre interview. Je vais pas Non rester mais trop longtemps. j'ai C'est les abonné. soirs d'élection, Non mais des chances c'est de. diffusé chez eux aussi. Ah bon, alors ça va. Donc ma prime rénov', on n'est pas très très bien placé. Tu comprendras pourquoi. Alors Lorraine qui nous pose une question un petit peu hors sujet, mais on va quand même répondre. Les taux augmentent, l'immobilier ne baisse pas. Je n'arrive pas à acheter. Ça malheureusement, c'est une constatation. Il n'y a pas de solution particulière. Les taux augmentent. Ce n'est pas fini puisque j'ai partagé une vidéo qui avait été partagée par Julien Padoue. Qui est chez IAD et qui est à Nantes. Et on avait un journaliste qui expliquait, pardon, parce que c'est une vidéo, hein, c'est pas personnel, qui expliquait que le taux de crédit qui serait rentable pour les banques serait de 5,5. Donc imagine bien, Lorraine, que on n'a pas fini d'augmenter. L'immobilier ne baisse pas, c'est juste une question de temps. Moi, je vous ai parlé d'un appartement que je devais récupérer avec une baisse. Finalement, le propriétaire, il sait plus, il stade. C'est vraiment le marché aujourd'hui. On a beaucoup de propriétaires qui ne savent pas, qui sont un petit peu perdus. Et est-ce que je vais vendre, pas vendre, machin, etc. Ils ne savent plus. Donc ça, c'est un marché que l'on appelle un marché d'attentiste. C'est un marché d'acquéreur. Donc, Lorraine, si j'avais moi un conseil à te donner, n'attends pas que les taux continuent d'augmenter et tente de faire des propositions assez agressives. Voilà. Alors agressif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout dire et rien dire. Il ne faut pas avoir peur de faire moins 10%, par exemple. Voilà.
On est à 4 500 327 Non, non, c'est des milliards. spectateurs. C'est des Ah, c'est milliards. des C'est des milliards, milliards. d'accord. Alors, attends. Il faut attendre. Ah, alors, voilà, tu vois. Attends. Tu vois, pour tout, en fonction de ta région, tu vois, Yodox, a priori, est bien calé. Acheter des appartements et louer, c'est super simple. Bon, on a des remarques parfois comme ça. Est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter ou pour louer ou faut attendre? Chacun va avoir midi à sa porte. Personnellement, c'est pas le moment d'attendre. Vous attendez quoi en fait? Que l'immobilier baisse? Ben, j'ai déjà eu cette question. On s'éloigne un petit peu du DPE, donc je vais essayer vraiment de nous concentrer sur le DPE. C'est de ma faute si je réponds. Vous imaginez que ça va perdre 10% d'ici la fin de l'année, faites une offre aujourd'hui à moins 10%. Vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Bonjour. Pour les bâtiments classés historiques. Ah ben voilà. Alors Mathis, ça c'est une question qui moi m'intéresse aussi. Toutes les questions m'intéressent. Mais étant donné qu'on est parisien et qu'on a toujours un monument historique à moins de 300 mètres de nos immeubles, c'est on ne peut pratiquement pas toucher non, aux façades. C'est fou. C'est fou. On en a parlé enfin, d'ailleurs dans la vidéo. En même comme temps, ça. C'est normal quand on voit des façades pierre de taille, des choses Ouais. magnifiques qu'on peut voir dans Paris. Évidemment qu'on ne va pas isoler par l'extérieur. C'est tout. Et Alors, puis, attends. il ne faudrait pas le faire parce qu'on va pas mettre des façades pourries sur des immeubles qui ont des façades magnifiques. Enfin, bon, ça. Alors, en plus, Mathis, imaginons que ce soit techniquement possible ou au niveau administratif que ce soit autorisé, il faudrait l'accord de l'intégralité de la copropriété. Donc, je ne suis pas sûr. Déjà, quand on voit dans une copropriété, quand il y a des coûts Oui, à supporter qui sont assez lourds, c'est impossible. tout le monde ne vote pas forcément pour. Moi, je pense que la solution sera l'isolation par l'intérieur, avec les conséquences que ça va avoir. On a abordé ce sujet-là tous les deux. Sur une perte de surface à l'intérieur, même si elle est minime, elle existe. Elle existe. Et des ouvrants qui vont plus pouvoir ouvrir autant qu'aujourd'hui, Aussi, puisque vos fenêtres, elles ouvrent sur ouais. Ah, un axe, ça je crée dis plein de n'importe problèmes quoi, annexes, hein. 180 degrés, eh bien, elles ne pourront plus ouvrir sur 180 degrés, elles vont s'ouvrir. Mais qu'est-ce qu'il vaut mieux? Il vaut mieux avoir un appartement classé en passoire énergétique, ou alors avoir avec une certaine surface, ou alors avoir un appartement bien mieux classé, un peu plus petit, mais au moins qu'on pourra vendre plus facilement ou louer sans aucun problème. La question, elle est vite vue, hein. Alors la question elle est vite vue, mais je pense que comme dans tout changement, on est ceux qui devons faire le plus gros effort puisqu'on passe d'une époque à une autre. Absolument, c'est une Donc on va transition. essuyer les pots cassés, c'est une transition. Ah ouais, Voilà. ben Donc ouais. ça c'est. Mais il faut bien que. Merci Mathis pour la question. Mais Non, il faut bien non, que ça se fasse de il toute faut bien façon. Oui, mais que on ça n'a se pas le fasse. choix. Il On n'a faut pas le choix. on est obligé de faire quelque chose. Alors voilà, c'est ça, parce que tous les jours, j'entends des gens qui sont pas contents. Et ouais, c'est comme si, et ouais, c'est comme. Moi aussi, j'étais comme ça au début. J'ai lâché tout de suite l'affaire parce que je me dis, de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé d'aller dans ce sens-là. Il vaut mieux essayer plutôt de changer son mindset et de se dire, OK, on n'a pas le choix. Donc, essayons de trouver des solutions, des idées nouvelles pour améliorer. Et ça pourrait être que mieux pour le futur de toute façon. Mais c'est vrai qu'au début, les changements énervent tout le monde. Alors, j'avais pas vu ces VK logiques. C'est quoi le but du live? Le but du live, c'est de vous éclairer au niveau des diagnostics de performance énergétique avec les répercussions que cela va avoir sur l'immobilier, que ce soit à la location ou à la vente ou à l'achat. Alors, est-ce que tu as vu tout ça ou pas? Eh ben non, pas encore. Alors, Alors, après attends, je vais 2034, remonter au ah oui, plus parce qu'on en haut. a pas mal en Ouais, attente, ouais. hein. Il y en a 33. L'isolement par l'extérieur est voté en AG sur les bâtiments classés historiques. Alors, tu vois, ça, c'est la même question. Alors, souvent, on a des redondances parce qu'on ne répond pas assez vite. Eh oui. Mais. Bon, on va répondre par oui ou par non, ça va aller Oh. très très court. Oui, alors, oui, non. Non. En En copro, c'est l'année qui copro. aide au financement? Non. Oui. Alors, ça, je suis pas sûr. Je ne sais pas si c'est l'ANA uniquement. Vous voyez, par exemple, Alors, ce qu'est-ce qu'on que disait c'est tout à que l'heure, l'ANA? Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que l'ANA. l'Agence nationale Ah, c'est une question, Oui, c'était je m'en pas pour te rappelle piéger, c'est pas pour plus. te Non, piéger, non, mais mais je m'en parce rappelle qu'on plus. alors pensez bien une chose, c'est quand vous posez des questions, Je vous m'en êtes rappelle tranquille plus. chez vous, et puis l'ANA, ah bah oui, mais machin, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est en fait. Oh là, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou Bah, de ça mémoire. arrive, alors J'ai tellement d'abréviations dans la tête. Tout est abrégé maintenant. je vais te dire Le ça. DPE, Ouais. diagnostic de performance énergétique, l'ADEME, BJR, bonjour. bonjour, BSR, bonsoir. Voilà, c'est ça. Alors,
Alors oui, Mon petit bousin là. L'Agence nationale de l'habitat, bah oui, c'est Voilà. ça. Ouais, L'Agence voilà. nationale de l'habitat. Voilà. Donc pour ceux qui ne savaient pas, Voilà, comme voilà, nous. voilà. Mais si, mais j'ai oublié. Mais Voilà. voilà. Ouais, menteur. Les taux Ouais, augmentent c'est vrai. l'immobilier. Ok, Gros ça menteur, j'ai oui. vu. En copro, on a vu. Vous pensez quoi? On a répondu. Ça, on a eu. User 14, merci, c'est sympa. L'isolement par l'extérieur, on a vu. Ça, on a vu. Pour un logement en location en 2025 sous DPE 2019, faudra-t-il obligatoirement refaire le DPE? Obligatoire. Bonne question, ça. Alors, Ça, si le bien. c'est Virginie Villain, pardon. Alors, Virginie, bonjour. C'est une très bonne question. En fait, quand vous signez un contrat de bail avec un locataire, il rentre avec un diagnostic en cours de validité. Tant qu'il reste dans l'appartement pendant son bail, vous n'avez pas besoin de réactualiser les diagnostics. Il faudra les réactualiser quand il y aura soit un renouvellement de bail avec cette même personne, soit un changement de locataire. Donc à partir de 2025, si votre locataire part, vous serez obligé au moins de refaire le nouveau DPE. Peut-être que les autres diagnostics seront périmés et il faudra les refaire aussi, mais il faudra refaire un nouveau DPE si votre locataire part avant le 1er juillet, 1er janvier 2025. Est-ce que j'ai répondu à votre Alors question? Virginie Villain, téléphonique. Alors, y a certaines personnes nous appellent pendant le live, mais ça sert à rien, en fait, on ne répondra pas. Bonjour, utilisez-vous le logiciel CAP Rénav? Je ne sais pas ce que c'est. Alors, le logiciel, c'est Alors simple ça, qu'on utilise. c'est Vincent Ocan AK. C'est simple, les logiciels que l'on utilise pour faire le DPE, c'est des logiciels qui doivent être homologués par l'État. Et en fait, il n'y en a pas 36, il y en a 6 ou 7. Il y a, enfin, je n'ai pas donné de nom de logiciel, mais ça, ce que vous dites, non, pas du tout. Ce n'est même pas référencé par le gouvernement. C'est d'ailleurs, sur le DPE, il y a le nom du logiciel qui est marqué obligatoirement avec la version. Et il faut que ce soit un logiciel validé par l'État, parce que de toute façon, quand on finit le DPE, on est obligé de l'envoyer à l'ADEME par télétransmission, et nous le renvoie automatiquement avec le numéro d'ADEME, et ça ne peut être qu'un logiciel homologué. Il y en a 6 ou 7 de mémoire, ou peut-être 8, mais pas plus. D'accord. Alors, mort de rire, alors là, oubliez la prime Après Rénov, ok. 2034. Z2. Alors attends, je suis à 6 000 euros d'impôt, j'ai droit à la prime Rénov. Aucune idée, on n'est pas des spécialistes de la prime Rénov. Ouais, je ne sais pas, bah, parce qu'il faut Aucune voir idée. si votre logement est énergivore, s'il est en passoire ou quoi que ce soit. Moi, j'appellerai la mairie de mon arrondissement ou de ma région hein, Oui, ou alors pour sur le ça, DPE, de ma il y a ville. des numéros de téléphone de l'ADEME, etc. Ils peuvent appeler, ils vont les renseigner. Hein. Imen, après 2034, si le DPE n'a pas été fait, que se passe-t-il? Alors, en 2034, si le DPE n'a pas été Mais c'est fait, que impossible. Si c'est... ah bah, vous êtes obligé de le faire, sinon vous êtes en infraction. Mais Donc, peut-être qu'elle est locataire, Imen. alors, je ne sais pas, mais si elle est locataire, bah, de toute façon, en 2034, c'est dans plus de 10 ans. Donc Ok, forcément, il faudra faire un autre DPE d'ici ouais, là. d'accord. Mais obligatoire, hein, location ou vente, il faut fournir un DPE. Ça a encore de validité. Alors une remarque, pourquoi l'immobilier serait mort alors que tout le monde cherche à se loger? Moi je suis d'accord, l'immobilier est loin d'être mort, mais on est dans une phase de mutation, je dirais. Et vous avez énormément, alors il va y avoir énormément de transactionnaires, que ce soit des gens comme moi, des mandataires immobiliers, voire des agences immobilières, qui vont disparaître. Vraisemblablement plus vite des agences immobilières parce qu'elles ont des coûts fixes qui sont incompressibles, alors que les mandataires comme moi, ben moi ça me coûte 200 balles par mois pour travailler. Faux. Ah, alors Yannick Magnier. Alors on a parfois des contradicteurs à juste titre, hein, ou pas. Faux, Mediag était déjà en couleur. La différence est dans la case normes 2021 et non normes 2006. Alors, Yannick Magnier, vous parlez donc entre le nouveau et l'ancien DPE, si j'ai bien compris. Je ne sais pas quoi vous dire. En fait, par exemple, ce qu'il y a en fond, là, ici, en fait, les nouvelles étiquettes sont comme ça, avec les rectangles sur les côtés, vous voyez, bouquet 1, bouquet 2, etc. Il faut que ça ressemble à ça. Si ce sont les anciens, ce n'est pas du tout pareil, c'est différent. Il n'y a pas les petites bulles sur les côtés, ni rien. Là, ça. Ouais, ces bulles-là, ouais, tout Voilà. à fait. Ah ben j'étais en train de regarder sur le mur, je suis vraiment con. Voilà. Alors, ok. Alors la prime Rénov, alors Mehdi 750, donc sympa, Mehdi aussi. Alors Mehdi 750, elle est aussi. Comment dire? Elle nous aide à modérer. Voilà.
D'accord. Donc je l'invite à devenir modératrice. Merci, Maddy. Et si on ne répond pas, elle va répondre à notre place. Enfin, à ta place, puisque j'y connais rien. 150 € pour le DPE, on le dépense pas tous les week-ends. Alors, j'ai bon, alors là, pas je, compris. moi non plus. Enfin, dans on l'absolu, fait pas un DPE toutes les semaines. On hein, fait de toute pas. Façon. Ouais, voilà. Donc, non, c'est ça. Ouais. On est d'accord. Sauf si on a envie. Ouais, appelez-moi, je vous le fais toutes les semaines. Je vous ferai un prix si on en fait un par c'est semaine. Je vous ferai un prix pour les 4 du mois. Alors, Mathis, on a déjà répondu. Est-ce que c'est le meilleur mois? Est-ce que c'est le... Alors, ça, c'est FFHGRHKG. Non, il ne faut pas attendre. Vous pouvez acheter des appartements et louer, c'est super simple. D'accord. Pour tous, ma prime rénov, c'est en question de ta région, de ton revenu et de type de travaux. Alors ça, c'est Youyox qui répond gentiment. Faceva à Koum, que va-t-il se passer des immeubles classés historiques et dont ne peuvent pas être alors isolés. Pas isolés. Bah en fait, c'est isolé par l'intérieur et façade, on ne touchera pas. Hein. Ouais. Sincèrement, je pense que c'est ce qui va se passer. Oui, c'est sûr. Alors, oui, c'est Chris, sûr. Elle pense qu'il faut attendre. Bon, ben, on a raison de ne pas être d'accord. Pour moi, il ne faut pas attendre. Vous faites des négociations et vous obtiendrez gain de cause. J'aime bien. C'est quoi votre métier? Je viens d'arriver. Alors, moi, je suis présentateur télé. Non. Et toi, tu fais un... Moi, je suis comique voilà. De quartier. Je fais des claquettes. Non, je fais du diagnostic immobilier. Alors, diagnostiqueur et professionnel de l'immobilier. Alors, pas agent, non, parce qu'on n'a pas la carte T. Après, tout le monde confond. Hier, il y avait quelqu'un qui n'a pas arrêté de dire « Ah, mais alors, puisque vous n'avez pas la carte T, vous n'êtes pas enregistré. » Enfin, bon, tout un bordel. Okay. Professionnel de l'immobilier, dûment enregistré à la Chambre des commerces et d'industrie, puisque maintenant, il faut faire gaffe à tout ce qu'on dit. Oui, absolument. Est-ce que tu as une pièce d'identité, d'ailleurs? Parce qu'on ne sait jamais quoi que ce soit pas toi. On a des gens qui ont raison, d'ailleurs. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. N'hésitez pas à demander au professionnel qui vient chez vous de vous montrer sa carte professionnelle ou son assurance. Alors, les assurances sont obligatoirement mises à la fin de chaque rapport. Il y a une attestation d'assurance, il y a ces certifications. Non, mais est-ce qu'on peut lui demander avant? Alors, les certifications, vous pouvez les consulter sur le site de l'ADEME, par exemple. Je pense qu'on est référencé. On est obligatoirement référencé avec nos validités fins de validité de diagnostic. Enfin, de discipline, alors, attends, amiante, plomb, thermite. C'est sur quel site? Alors, soit sur le site du certifié. Donc, il y a ICERT, il y en a quelques organismes certificateurs, vous pouvez voir dedans. Ou sinon, je crois que vous pouvez voir ça sur le site, je ne me rappelle plus, j'avais su, sur le site du gouvernement, je pense que vous pouvez le voir. Peut-être sur l'ADEME, il y a peut-être une... Ouais. D'accord. Pour voir si la personne qui vient est certifiée. Après, est-ce que la personne qui vient, qui est certifiée, est-ce que c'est la même personne qui va faire le rapport et qui va signer? Ça, à moins de lui demander sa pièce d'identité, vous ne connaissez pas son visage ni rien. Bon. Est-ce que c'est grave, ça? Ah, bah, évidemment que c'est grave. On est bien d'accord. Évidemment que c'est grave. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas certifié va aller chez un client, faire un DPE, donc qui n'a pas suivi les formations ni rien, va prendre des informations et quelqu'un d'autre au bureau va taper le rapport sans avoir vu le bien, sans avoir compris comment fonctionne ce bien. Enfin, il y a tellement de choses à sentir quand on rentre dans un appartement que c'est pas possible. Ah non, c'est très grave, oui. C'est très, très grave. D'accord. Mais ça semble une chose importante à savoir, c'est que il y a quand même une responsabilité derrière tout ça. Et c'est ce qui explique que certaines boîtes cassent les prix, referment 3 mois après, réouvrent sous un autre nom et continuent comme ça. Évidemment. Alors ça, ce sont des gens qui se répondent les uns les autres. Donc ça, c'est bien. D'accord. OK, à cause de ça, ça va baisser. L'IMO baisse, le taux monte. Quels sont les numéros du loto gagnant du vendredi? Ah ben, je ne sais pas. Ça, c'est ma question. En cas historique, isolation intérieure. Ah ben alors, Yannick Magnier, ben, il est d'accord avec nous. Isolation intérieure, remplacement chaudière murale par électrique. Chaudière murale. Oui, alors dans Paris, on est très souvent dans du chauffage collectif, si je ne dis pas de bêtises. Alors, tu as les deux. Alors, les immeubles des années 70, ils sont quasiment tous en collectif. D'accord. Allez, 80-85% sont en collectif. Parce qu'à l'époque des années 70, il n'y avait pas de problème du prix de l'énergie ni rien. Donc, c'était du collectif. Dans les haussmanniens, dans les vieux immeubles, c'est souvent de l'individuel. Mais parfois, il y a quand même du collectif.
On ne peut pas faire une généralité, il y a de tout, il y a de tout. Fa Seva Akum, les maisons en périphérie de Paris, exemple 91, 92, etc., vont exploser en prix à la hausse. Bah forcément, parce qu'elles seront mieux notées, parce qu'elles sont déjà isolées, ne serait-ce que par l'ART, la réglementation thermique de l'époque. Ouais. Il y avait des obligations de construction. Oui, forcément, ça sera mieux noté, donc ça va être plus demandé que des maisons, vieilles maisons, pas isolées, passoires énergétiques. Et oui, d'accord, évidemment. Alors Annie qui nous pose une question, quand tu dis négocier, c'est moins 10% sur le prix de vente? Oui, absolument. Ça, c'est une offre, assez agressive. Et le seul risque, c'est difficile d'aller plus loin que 10%. Hein. Si vous allez trop loin, vous risquez de vous opposer à un mur qui, par question de principe, ne fera pas une contre-offre. 10%, pour moi, ça me semble cohérent. Alors, la question de Bessirix. Non, on va prendre celle-là. Ah oui, j'avais pas Yo-Yox, vu. Yo-Yox, Philippe, je bosse en réno énergétique. Ah ben voilà. Bon ben voilà. Okay, donc, voilà pourquoi il touche alors, sa bille. Voilà, cette question-là intéressante, BSRY. Ça me fait plaisir que c'est le même problème parce qu'elle s'est déjà connectée et c'est brisque. Alors, votre question, si je la comprends, je vais la reformuler. Bonjour monsieur, est-ce que l'audit diagnostique peut jouer sur le prêt immobilier? Alors, il y a l'audit énergétique et le diagnostic de performance énergétique sont deux choses différentes. Ça se rapproche, mais c'est différent. Le DPE est obligatoire. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et l'audit, il est obligatoire uniquement. Il est obligatoirement. Ça y est, il est mort. Non. L'audit énergétique, on doit le faire si votre bien en monopropriété. Alors, je le souligne. Ah oui, ça c'est important. Ce sont les maisons ou les immeubles complets, mais pas les appartements en copropriété. L'audit énergétique est obligatoirement à faire si votre bien a été diagnostiqué en passoire en F ou en G. Et à ce moment-là, il faut le faire. Mais pour le prêt immobilier, c'est le DPE qui va jouer. C'est-à-dire que maintenant, les banques demandent, quand vous faites un prêt, vous demandent le DPE. Si le DPE est classé en G, ils vous disent au revoir, monsieur. Ils ne veulent pas vous prêter. Ah, mais je ne savais pas ça. Ah, ouais. Il y a eu plein de retours comme ça, voilà, ils ne veulent pas prêter. Encore la preuve que j'apprends des trucs tous les jours. Ah ouais. Tous les jours. Et ça, c'est grâce à vous. Hein. Il y aurait trois personnes, on se fait un truc tous les deux. Oui, tout à fait. Voilà. Puis on ne parlerait pas de boulot. Non, certainement pas. Merci Faceva Akum de nous suivre. De nous suivre, oui, c'est notre live. Annie, ok. LND. Alors bonjour, les agences immobilières n'ont pas le droit de mettre... Alors, c'est une question, n'ont pas le droit de mettre diagnostic vierge sur leurs annonces? Alors oui, alors les DPE vierges, c'est terminé, ça n'existe plus. Ça se faisait sur les anciens DPE jusqu'en juin 21. Depuis le nouveau DPE, on ne peut plus faire de DPE vierge. C'est impossible puisque en fait, on a besoin d'aller sur place, de prendre des mesures. Et avec le logiciel, on peut sortir une lettre. On n'a plus besoin de facture, c'est ce que je disais au début de ce live. Donc, le DPE vierge n'existe plus. Évidemment que sur les annonces, on peut plus, les agents immobiliers ne peuvent plus les mettre. Donc, c'est forcément des DPE avec étiquette. Alors, Marseille Italia nous suit. Merci, Marseille Italia. Denver Totti, 200 000 euros de demande de prêt, 106 000 euros d'intérêt sans assurance. Vive les banques françaises. Bon, ça, à mon avis, c'est quelqu'un qui n'est pas très content contre le système bancaire français. Il n'a pas forcément tort. Yannick Magnier, regarde, qui répond « Oui, un logement classé A, tu peux avoir un prêt à taux zéro. » Il y a beaucoup de questions. Alors, prêt à taux zéro, je vous ai déjà dit, hein, tout ce qui est social, prêt à taux zéro, accession, etc., moi, j'y connais rien, tout simplement parce que dans Paris, on m'a jamais eu de client qui ait utilisé ce levier pour acheter. Moi, je n'achète aucun logement social. Ok. Bonjour, Ma. Si je vends une maison DPE énergétique EF, est-ce que ça a réellement un impact sur le prix? Évidemment. Vivien, oui. C'est ça, c'est Vivien. C'est Vivien, ouais. Vivien. Évidemment, vous n'êtes pas en F ou en G. Donc vous... Alors, attention, il faut bien que je comprenne. DPE énergétique EF, c'est-à-dire que c'est E ou F ou E énergie et F gaz à effet de serre. Ah putain, parce je que si c'est F gaz à effet de serre, le résultat du DPE, c'est la plus mauvaise étiquette des deux qui prime. Donc, pour être par exemple en D en énergie et en F en gaz à effet de serre, le résultat sera F. Ah ben je viens ça prend la plus mauvaise étiquette des deux. Eh ben alors ça, vous le saviez ça? Moi, je ne le savais pas, je viens de l'apprendre. Yannick qui répond à Hélène, si tant que le DPE date entre 2018 et 2021, sinon à refaire obligatoire.
Donc, Bah alors parfois, on ne sait pas, parce que ça doit être une vieille question. Ouais, peut-être. Historique égale IT, non historique égale faites ce que vous voulez. Historique égale. ITI, c'est isolation par l'intérieur. Ah, parce que pour moi, ITI, c'est information thérapeutique internationale. Ah C'était non, mon non, non. ancien métier. Ah, c'est pour Donc j'ai dit, attends, ça, c'est pas des formations possible. professionnelles. C'est pas ITI, possible. c'est intérieur et ITE, c'est extérieur. Ah, ok, d'accord. Ah, bah alors, bah voilà, merci YouYox. French Connection, il a des exemptions aux nouvelles règles du DPE. Point d'exclamation. Alors oui, il y a des biens qui ne sont pas soumis au DPE, comme les lieux de culte, les patinoires, les bâtiments agricoles. Bon oui, il y a des exceptions, mais enfin, c'est bon. Est-ce qu'il parlait de ça? Je ne Mais sais je ne pas. sais French pas. Connection, est-ce que tu parlais de ça? Noam qui nous suit, donc merci beaucoup. LND qui répond, oui, mais ils doivent obligatoirement afficher un résultat, pas laisser vierge. Ça, c'est dans les agences immobilières, je pense. Tu sais qu'ils Alors, marquent, ils doivent marquer quelque ils chose. doivent obligatoirement afficher un résultat. Oui, un DPE vierge, tu ne peux plus faire une annonce avec un DPE vierge. De toute façon, un D'accord. diagnostiqueur ne peut plus te donner un rapport Ok, DPE j'ai compris. vierge. Ok. Donc, on oublie, hein, ça n'existe plus vierge. Une règle principale dans l'immobilier, l'emplacement, et surtout, ben, il y en a qui suivent les lives. Il n'y a pas besoin. Enfin, c'est exactement ce que je prône lorsque vous faites des achats. Donc maintenant, on va rajouter l'emplacement et le DPE, puisque ça va Absolument. devenir aussi important. C'est très drôle, petite anecdote. Quand j'ai Ouais. commencé la profession, je sortais d'une mission. L'agent immobilier, par exemple, me disait, c'est quoi la carré, c'est quoi la surface, c'est quoi la surface? C'était la Ah première oui, chose qu'on me bien sûr. demandait. Oui, Maintenant, c'est bien fini. sûr. On me dit, c'est quoi la lettre? C'est quoi la lettre? Parce que c'est tellement important, parce que de la lettre va découler des conséquences. Alors, on a encore pas mal. Alors, ça, c'est une connerie que j'ai faite. C'est vrai, d'un seul coup, Bon, t'as toutes les questions qui vu que sont. tu n'en as fait qu'une, c'est pas grave. Ouais, c'est pas faux. Aujourd'hui. Les prêts. Alors, hop, 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 il faut remonter. C'est un peu le truc. J'ai pas trouvé de solution pour ça. Sassuolo, c'est quoi votre métier, s'il vous plaît? Ben, on va re-répondre, puisqu'a priori, il n'a pas. Monsieur est diagnostiqueur Immobilier. immobilier, et moi, je suis professionnel de l'immobilier. Je m'occupe de transactions, de location, gestion, etc. Et surtout beaucoup de conseils. Alors, oh là là, tu vois, j'ai fait une belle bêtise. Vous êtes agent immobilier, c'est ça, je viens d'arriver. Oui, Sassuolo, je viens de te répondre. On est en Ah, train de alors, remonter attends, là. je vois un faux. Ah, attends, attends, Vous attends, dites que attends, le attends, DPE attends. valable 10 ans. Ouais, non, mais attends, il y a des gens qui savent tout. Cookies, bonjour Philippe, bonjour. Le modérateur Jimmy, alors tu vois, merci Annie d'avoir fait ça. Oh là là, mais je fais On en a une. beaucoup, on Voilà, en a voilà, voilà, beaucoup, voilà, voilà, voilà. voilà. Il y a des exemptions nouvelles. On a vu les lieux de Ce qu'on culte, va faire, c'est qu'on va essayer de etc. répondre assez rapidement sur chaque question parce qu'il y en a Je t'invite à le tellement. faire. Ok. Une règle principale, on a vu. Facile de ne pas se soumettre aux nouvelles règles, il a des exemptions. Ah. Alors, j'aimerais savoir lesquelles, mais ok. Ben, French Connection, Ah vas-y, oui. apprends-nous, on est à ta disposition pour apprendre un scoop. Hein. LND, bonjour, les agences sont en tort quand ils mettent DPE vierge sur leurs annonces. Ben. Oui, parce enfin, ils sont même pas en tort. Moi, j'en vois pas de DPE vierge, ça se fait plus. Donc, je ne Qu'est-ce sais qu'on marque pas. quand c'est au lieu de vierge? Bah, c'est inséré dans l'annonce, le chiffre à côté de la lettre. D'accord. Voilà, et c'est plus vierge. Vierge, c'est quand il y avait que les étiquettes Ah sans la ok, flèche qui te d'accord. présentait la lettre Donc est-ce qu'ils sont en ABCDEFG. tort? Bah oui, Ah oui, évidemment, puisque c'est LND, interdit. tu vas quand même pas être surpris que des agences immobilières communiquent dans des annonces sans prix, sans machin. Enfin, ça arrive, hein, donc moi je ne suis pas surpris. Johnson a suivi, merci. Lors de la rénovation énergétique, ça c'est Matisse, les coûts des parties communes se calculent en tantièmes. Alors attention, quand vous isolez par l'intérieur, il n'y a plus de parties communes. Oui. Donc vous pouvez isoler votre mur qui est déperditif, qui donne sur les parties communes, si c'est le cas, parce qu'il y a des parties communes qui ne sont pas déperditives, mais si vous le faites par l'intérieur, non, ça ne se calcule pas au tantième, c'est que pour vous, c'est de chez vous que c'est isolé. Là, j'étais rapide. Hein. Ouais, c'est bien. Tant que le DPE est fait entre 2000. Bon, alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Coucou, salut Cookies. Agence nationale de l'habitat. Tu vois, on a du retard. Merci Vincent. Que pensez-vous du 91? Quoi? Alors, Investir? de Bah, l'année 91 ou du département 91? Parce que c'est tout à l'heure, on département. peut. Ouais, non, mais maintenant, je commence à avoir le cerveau qui est Voilà, habitué. ouais. C'est Non, mais. 1991. Bah, Non, c'est la région. c'est la région, c'est l'Essonne. J'en pense rien. Moi, je suis vraiment spécialiste de Paris.
S'il y a des gens qui veulent répondre à Fa, Seva, Akum, vous êtes les bienvenus. Alors, Yoshimini, ah, le DPE, ça coûte une fortune en plus. Merde, les audits derrière. Merci, non pas merde, merci, les audits derrière. Ah, merci, oui, Ah pardon. oui, ta langue a fourché. Ça m'arrive, ça m'arrive. Attention, attention, Ouais. attention. Ouais. Alors, oui, le DPE, il coûte parce que c'est long à faire, c'est long à rédiger, et puis on engage notre responsabilité. Et puis il y a Alors, tous les prix. Donc à mon quand avis, vous il y dites a... les audits derrière, Ouais. seulement si vous êtes en monopropriété, c'est-à-dire en maison, sur un appartement, il n'y a pas d'audit, encore une fois, hein. Ouais. En copropriété, il n'y a pas d'audit. Alors, Manua, France Rénov, comme ça, pas besoin de se poser la question sur l'ANA. Oui, C'est une il réponse à apparaît. une Ouais, question d'avant. absolument. Merci à tous. Hein. Ouais, c'est sympa parce que quand je suis un peu dans la panade et que. Tu vois, t'as pas le cerveau qui commence à chauffer un peu là? Pas du tout, Pas du tout. pas du tout. Menteur. Moi, je suis à l'aise, Ouais, mais ouais. alors dès que je vois une caméra, Ouais. Alors, des gens Faceva, oui, sympathiques, là-bas, je me Babelwood lâche. City. Bon, alors tu vois, après, il y a des machins. On est isolé avec des trucs de l'État et on est mort de rire, quoi. On est isolé avec des trucs de l'État. Bon, Bon, j'ai pas on compris. comprend pas Alors, le trop. DPE est valide 10 ans ou plus. Alors, attention. Il y a un Luna, sujet, Luna, bonne c'est une question, bonne on va te question. Il y répondre. a un sujet. Sur les anciens diagnostics énergétiques, il est marqué qu'il est valable 10 ans. Or, eh ben, cette loi, c'est même pas une loi, ça a changé. Depuis la nouvelle réglementation de juillet 21, où le nouveau DPE est apparu, alors le nouveau DPE, il est valable 10 ans. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus, c'est valable 10 ans. Les anciens, où il y a marqué validité 10 ans, ben, en fait, c'est complètement faux. Parce qu'au début, quand on faisait le DPE, il y a bien les dates, validité jusqu'à temps et 10 ans après. Maintenant, depuis qu'ils ont sorti le nouveau DPE, ils ont dit, c'est terminé. Votre DPE, s'il a été fait avant 2018, ben, il n'est plus valable. Il était valable jusqu'au 1er janvier 2023. Mais par contre, s'il a été fait de 2018 à 2021, il est valable jusqu'au 1er janvier 2024. D'accord. Voilà, c'est tout. Ah, C'est plus du tout valable 10 ans. C'est vrai que c'est encore marqué sur les anciens DPE qu'on faisait à l'époque. Eh ben, c'est complètement débile parce que maintenant, c'est plus ça. Ils ont changé les règles en cours de route. donc, Luna, merci. Amour, bonjour. Ben, bonjour. Pour être diagnostiqueur DPE, le temps, formation et le prix. Alors déjà, pour être diagnostiqueur DPE, il faut être beau, intelligent, sympathique. Voilà, ça ne vaut pas être ça parce que Non, c'est c'est pas pas trop ton ça. cas. Alors, en fait, il faut maintenant pour faire du diagnostic, il faut un prérequis. Je crois que c'est 3 ans ou 5 ans d'ingénierie dans le bâtiment pour pouvoir prétendre à faire les formations. D'accord. Une fois qu'on a ce prérequis de valider, il faut faire une formation, il faut passer des examens, écrits et oraux, et on a le diplôme. Alors, j'ai pas envie de me jeter des fleurs ou quoi, c'est pas du tout Non, le non, cas. non, non, mais... C'est si on n'est pas du bâtiment, c'est assez compliqué, il faut pas se leurrer, c'est même très compliqué. Alors, je dis pas que c'est impossible, hein, moi je l'ai eu. Donc franchement, c'est que Oui, voilà. Mais enfin, il faut un prérequis et il faut être du ça bâtiment. fait pas 6 mois que tu Non, es moi dans la ça fait 15 profession. ans, ouais. Bah, voilà. Yannick Magnier, non, pas lors du renouvellement du bail, juste avec nouveau locataire. Alors ça, j'imagine que ça doit être C'est par rapport au au DPE. DPE, s'il faut le Alors, refaire entre deux si vous faites un locataires. renouvellement de bail et que vos diagnostics sont périmés, vous êtes obligé de les refaire. J'insiste, hein, Ah, c'est marrant, parce c'est... que si vous relouez un appartement avec des diagnostics périmés, alors peut-être que votre locataire vous dira rien, mais il le saura. Et si toutefois, un jour, il y a un problème, il ressortira les documents, il dit, attendez, vous m'avez loué avec un appartement où les DPE sont périmés, vous êtes en tort, monsieur. Et effectivement, vous serez en tort. Donc il faut ouvrir une agence de diagnostic, bah, libre à toi évidemment, hein, il va y avoir, à mon avis ça doit être de plus en plus réglementé, ça va être de plus en plus difficile. Ah ouais, c'est très très Alors réglementé. Yannick Magnier qui répond à Luna, oui, 10 ans pour se réaliser après juillet 2021. Et c'est exactement ce que j'ai dit. Les nouveaux Ben voilà. DPE sont valables 10 ans, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est les anciens, ils ont changé les règles en cours de route. D'accord. Il y a de l'oseille à faire, ok. Faux, ce que vous dites, le DPE est valable 10 ans. Alors Dour, il est... Alors, Voilà, d'où on va on va pas. préciser, on va préciser, Le on va. nouveau DPE est Voilà. valable 10 ans. Le Voilà. DPE avec la Les méthode anciens, c'est 3CL jusqu'à. 2021 est valable 10 ans. Donc, celui qui a été établi au 1er juillet 2021 est valable 10 ans. On a Voilà. dit qu'il n'y a pas de sujet. Mais Les avant, ce n'est pas le anciens, cas. ils étaient valables 10 ans, mais ils ont changé les règles en cours de route et ils ne sont plus du tout valables 10 ans. Voilà. Dour, donc. Et si vous n'êtes pas content, et ce que je peux comprendre, allez voir le ministère du Ah, bah oui. Logement Ah et oui. dites-leur que vous n'êtes pas Ouais. content. Ils ont que ça à faire en S'ils ce moment, vous je crois. écoutent, hein, parce que nous, ils ne nous écoutent pas tout le temps. Non.
Alors, y a l'EDFR, ok. DPE, c'est vraiment du pipeau, Pascal. Bah oui, Alors, mais du ça s'appelle pipeau, la de la loi. Alors, trompette, oui, c'est ça. du clavecin. C'est comme les limitations de Non, vitesse, tu mais sais, c'est ça important sert à parce rien. que, oui, ça peut être du pipeau si c'est un DPE qui est mal fait, évidemment. Mais comme dans tous les métiers, là on parle du DPE parce que c'est le sujet du live, mais vous prenez tous les métiers, si c'est mal fait, c'est du pipeau. Si c'est bien fait, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, le résultat, c'est comme ça qu'il a été calculé. Alors, si vous aviez eu un bon DPE, ce que je doute puisque je vois votre réponse, vous auriez dit le DPE c'est génial. Mais vous avez dû Ouais, bien certainement avoir sûr. un mauvais DPE, donc pour vous c'est du pipeau, c'est mal fait, etc. Attention, le nouveau DPE, il y a encore, je trouve qu'il y a pas mal de bugs dans la façon de prendre les infos, etc. Il y a beaucoup d'informations qu'il faut estimer parce qu'on ne peut pas les avoir. Alors, si c'est ça que vous dites du pipeau, ouais, ok, il y a des choses comme ça, mais. Si c'est bien fait, ben ça donne la lettre que ça doit Alors, donner. on a 60 messages de retard. Il y Ouh. a 184 personnes qui sont connectées, Ah bonjour, 179. Ça bonjour. fluctue. 3 750 000 à l'instant. Voilà, T'as c'est pour ça vu? que tu fais des DPE incroyables. Ben ouais. Peut-on refaire un DPE avant achat par peur de fraude du DPE? Vous Oui, pouvez le tu faire. peux tout à fait. Et je crois que quelqu'un a répondu, ce sera à tes frais. C'est Tease Seb TR. Ça Tease. m'arrive, moi, de faire des Bah voilà. contre-expertises Ouais. de clients que je connais qui me font confiance, qui me disent, voilà, on a un DPE sur un appartement, est-ce que vous pouvez venir le refaire pour qu'on soit sûr? Parce que c'est vrai, hein, c'est important d'avoir la bonne lettre, parce que ça engage après bah, beaucoup de conséquences dans la Bien vie. Hein. sûr. Si vous l'achetez, vous Ah ne pouvez pas le louer après, ouais. T'imagines les faits. Ouais, bien sûr. c'est la galère. Hein. Alors, on a maillé effectivement beaucoup moins de dossiers de vente en études notariales, on le ressent. Moi, j'ai un copain notaire qui me parle de moins 40% de chiffre d'affaires notaire Paris. Alors, les autres régions, je ne connais pas, hein, je ne veux pas m'avancer. Mais apparemment, Chambre des notaires Paris, c'est moins 30, moins 40%. Et les chiffres de faillite d'agences immobilières, c'est plus 82% par rapport à l'année dernière sur la même période. C'est C'est juste, énorme. c'est désastreux pour les professionnels de l'immobilier. Certains vont dire c'est bien fait pour eux, ils ont bien raison. Je me méfie parce que maintenant je commence à connaître, on a des rigolos. Les appartements ayant des baies vitrées comme murs, ciment ont fait. Ah non, non, ça c'est Alors une question qui est super parce que j'ai pas compris, mais on va la ça c'est décortiquer. Christian. Dans le DPE, il faut ouvrir. Non. Ah non, pardon. Non, non, Les mais. appartements Ah ayant oui. des baies vitrées comme Mur. murs, ciment ont Là, fait. comment. Les appartements ayant des baies Ah, vitrées? comment on fait? Oui, comment on fait? J'ai pas compris. Si, 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 si. Alors, tu es dans un immeuble années 70 avec une grande baie vitrée Oui, c'est ça, ok. énorme. À la place, ici, on a un mur en bas et des fenêtres qui sont assez petites. Donc, quand tu as une baie vitrée ou une façade vitrée énorme, comment tu fais pour l'isoler? On va faire Ben, un. on pourrait jouer que sur le châssis, sur l'épaisseur de la lame d'air, de la fenêtre, enfin de la baie. En fait, on pourra travailler que sur la baie, hein, directement sur la fenêtre. Donc, l'épaisseur de lame d'air la plus épaisse, de l'argon à l'intérieur. Non, s'il n'y a pas de mur, évidemment qu'on ne peut pas faire d'isolation sur un mur. Ça sera sur la fenêtre. Alors, on a Braise Corsaire, immobilier de moins en moins accessible énergétiquement et financièrement. Oui. Mais j'insiste quand même, hein, je vous le dis à chaque fois, Chantou, bonjour messieurs, bonjour. Bonjour Chantou. Bonjour Chantou. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, toi? Bonjour messieurs. Accessible financièrement, oui, mais c'est là où je voulais en venir. Il y a des transactions tous les jours. Donc, ne vous jetez pas par la fenêtre parce que vous n'arrivez pas à vendre. C'est tout simplement adapter le Ben prix de non, votre bien. surtout vous allez mourir hein, Non, si ça vous n'êtes dépend, pas parce la qu'au fenêtre. rez-de-chaussée, tu risques pas Ah grand-chose. oui, c'est vrai. Adapter le prix de vos biens au marché actuel, quitte à refaire une estimation. Alors ça, c'est une bonne question. Comment faire pour des bâtiments? Alors, c'est Lucas Gonetovic. Ouais. Bonjour Lucas. Comment faire pour des bâtiments type haussmannien qui n'auront jamais un DPE supérieur à C ou D? Alors déjà, si vous attendez, vous êtes tranquille parce qu'il n'y a pas de Oui, mais alors c'est la même réglementation. Pour... question. C'est des effets de serre ou c'est. Alors, qu'il soit C D'accord. ou D, ben, peu importe, pas de problème. D'accord. Mais même si c'est gaz à effet de serre D, ça sera une étiquette énergétique D. D. Donc, Ça, j'ai compris. il n'y a pas comment dire, de restriction de location. Ok. Donc, il n'y a pas de souci. Mais D'accord. effectivement, un haussmannien, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Ça, je l'ai toujours dit. On peut améliorer. Mais déjà, si vous êtes en C dans de l'haussmannien, croyez-moi, Moi, c'est top. ouais. C'est top. Voilà. Je peux Alors, faire l'isolation. Gilberto Garcia, Bonjour Gilberto. je peux faire l'isolation moi-même. Alors, on peut tout faire soi-même, ça c'est sûr, mais bon. Après, ce qui se passe, c'est que nous, quand on va faire un DPE avec des murs isolés,
si on n'a pas la facture des travaux d'installation, je ne peux pas, avec mes yeux, voir ce qui se passe derrière le BA13, donc derrière la paroi avec l'isolant. Donc la facture fera foi. Alors si vous le faites vous-même, il n'y aura pas de facture. Vous pouvez me montrer n'importe quoi comme document. Si vous n'êtes pas professionnel, je ne pourrais pas le prendre en compte. Il faut que ce soit fait par un professionnel. Puis d'ailleurs, si vous voulez les aides ou quoi que ce soit, il faut présenter la facture des travaux. Et donc, si vous le faites vous-même, ben, vous n'aurez rien du tout. Alors, alors en fait, c'est le téléphone lui-même qui nous ramène aux dernières questions. Alors, écoute, on va prendre les dernières. Peut-on faire une isolation sur du meulière, sur de la meulière? Ben, pourquoi pas, hein. Ouais, alors sur les pierres, c'est oui, on peut tout imaginer, ouais, mais esthétiquement parlant, tu vas faire disparaître ta meulière. Non, mais c'est on fait pas. De toute façon, on fait pas une boîte. Mais absolument, on fait une boîte. Voilà. Non, on l'isole pas par. T'es pas le mec des nuls. Sur la meulière. T'es pas le mec des nuls. Je sais pas, peut-être. Ouais. Mais il parle de qui, de toi ou de moi? J'en sais rien. Nous deux, il doit pas s'effondrer en couple. Alors, c'est bite. C'est blette. Oui, je préfère parce que c'est. Quelle formation avoir pour faire des diagnostics et quelle durée pour se lancer à son compte? Quelle formation pour faire des diagnostics? Ben, il faut faire une formation, c'est ce que je disais tout à l'heure, de diagnostiqueur immobilier. Ou alors, vous pouvez faire que le DPE, hein, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire toute la panoplie des diagnostics comme amiante, plomb, termite, etc. Il faut un prérequis dans le bâtiment. C'est ce que je disais, je crois que c'est 3 ans d'ingénierie dans le bâtiment. Je ne me rappelle plus très bien. Moi, quand je l'ai fait il y a 15 ans, il fallait juste être bon. Mais on ne demandait pas de prérequis. Et très vite, tout le monde s'est engouffré là-dedans. Ils ont vu qu'il y avait énormément de n'importe quoi. Et ils ont fermé ils ont fermé cette voie. Et ils l'ont destiné qu'aux professionnels du bâtiment. Alors, on a Lola qui a aménagé dans un appartement neuf. Il est évalué D. Dans un appartement neuf, il est... En fait, chaque appartement, c'est un cas particulier. Non, mais un constructeur... Alors, attends, Lola, est-ce que tu veux dire que le millésime... de l'immeuble où tu as acheté est de 2023? Parce que alors là, je... Alors, honnêtement, ça, je ne m'avance pas à dire c'est bon, c'est pas bon, etc. Je dis c'est étonnant, mais pourquoi pas? Il faut regarder le DPE. En fait, il faut se redéplacer sur place parce que juste voir un DPE sans voir l'appartement, tu vois, c'est compliqué. Non, mais même dans l'absolu, un immeuble neuf en D, moi, ça me paraît complètement... Ouais, moi, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. BTS, bâtiment requis pour... alors, a priori, il y a des certaines... Alors, peut-être qu'ils ont Julia, changé... Julia, tiens, un message de Julia. Ah oui, je vois Julia. Ouais. Trop beau papa. Ouais. Bah écoute, ça... Ça me fait plaisir. Parce voilà. Que c'est mon premier live hein, que je fais. Hein. Mais je pensais qu'elle n'avait pas le droit d'avoir TikTok. C'est pas ce que tu m'avais dit, non? Oui, c'est vrai. Tu vas voir. Ah là 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 là. Alors, il est quand même facile de vérifier l'épaisseur d'une isolation, même derrière du BA13. Ah, ok. Alors, super. Guy Billy, donnez-moi, s'il vous plaît, votre méthode. Je suis preneur. À moins de faire un trou dans le mur, de mettre un mètre pour avoir l'épaisseur, etc. Je ne sais pas comment vous faites, mais je suis curieux d'avoir votre façon de procéder parce que ça m'intéresse. Pin-up art. Alors, attendez, je suis. Alors, pour ceux interdits aux mineurs TikTok, tu vois, Annie, elle a l'œil, hein, Annie. Oui. Elle a bien raison, Annie. Hein. Elle n'a pas 18 ans. Qui? Julia. Non. Ah ah. Pourquoi j'ai pas vu le truc? Ben, Annie, elle a l'œil. Elle a vu, ben, elle sait que c'est ta fille. D'accord. Donc, elle dit, attends, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a pas 18 ans, c'est interdit, machin. Merci Annie. Elle les a demain. Quel roublard. Alors, est-ce possible d'améliorer de F à C un studio dans une maison de 1930? Ça, c'est Amar Adou. Oui, pourquoi pas. Mais un appartement dans une maison, c'est-à-dire que la maison est en copropriété. Enfin, ouais, ben, j'imagine qu'elle a c'est été. C'est une maison qui a été sectionnée en plusieurs ouais, lots. Ouais. De F à C. Oui, ben, c'est possible. Il faut faire une possible, projection. Tout est possible. Dans le bâtiment, tout est possible. Après, c'est une question de prix aussi. Hein. Et mais vous sautez des messages. Marco, je sais, c'est vachement... Alors, ce qui se passe, Marco, c'est que d'un seul coup, le téléphone saute et il y a 50 messages qui réapparaissent. Donc, ce que je vais faire l'effort de remonter. Combien ça coûte? Bonjour, combien coûte un pour, combien ça coûte? Oh là là, bonjour. Ça coûte combien pour réaliser un DPE? Ça, c'est Russel Quentin. Bonjour, bonjour Russel Quentin.
Combien coûte un DPE? Alors, en fait, le DPE, c'est en fonction de la superficie de l'appartement. Bon, ben voilà. Donc, Voilà. Donc, je ne vais pas donner de prix parce que ça dépend entre un studio et un 5 pièces. Ce n'est pas le même temps sur place de prise de mesure. Ce n'est pas le même temps de rédaction. On va dire que ça part, allez, je ne sais pas, de 150, 160 à je ne sais pas, à beaucoup. Ça dépend si vous me faites si vous me demandez un château, par exemple, ou si vous me demandez une chambre de service. C'est très compliqué. Voilà, c'est sur devis, On on a appelle. MVT 261. Est-ce que tu prends des alternants? Pour l'instant, non. Voilà. Pour l'instant, Moi non non. plus. Ça coûte de plus en plus cher de louer en tant que propriétaire ou client. C'est Bresse Corsaire. Oui, puisque de toute façon, on va vous obliger en tant que propriétaire bailleur à faire des travaux. Tout à l'heure, quelqu'un faisait une petite réflexion qui était: non, mais c'est facile d'aller regarder, il suffit d'enlever une prise. Alors attention, d'abord, on n'a pas le droit de démonter les prises sans Ah, voilà. l'accord du propriétaire. Et à la limite, je préfère, même si j'ai son accord, qu'il le fasse lui. Parce que s'il y a un problème, vu que je n'ai pas le droit de le faire, eh ben, il faudra que je lui Mais voilà. paye la Alors, réparation. la différence, c'est entre des entrepreneurs. Je ne dis pas que la personne qui a posé la question est un entrepreneur bricoleur, hein. Il n'y a pas de jugement de ma part. Mais vous trouverez toujours quelqu'un de pas sérieux. Je vais prendre un cas qui n'est pas le nôtre. Un électricien qui accepte de refaire partiellement un système électrique dans tout un appartement, ça n'existe pas. Ou alors, il prend des risques et il ne va pas vous mettre une garantie décennale sur ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que si vous faites 1 mètre de long de système électrique, alors que l'appartement, il y a 1 km de câble, à partir du moment où vous faites une facture sur le mètre que vous avez fait, votre garantie décennale, elle va couvrir l'intégralité de l'appartement alors que vous n'avez pas fait les travaux. Donc faites très attention. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Hein. Bonjour, est-ce qu'on peut demander un diagnostic avant d'acheter? Ah, mais C'est c'est pas on peut demander, obligatoire. c'est obligatoire, Aurore. Aurore, les diagnostics, je sais qu'il y a encore des propriétaires qui sont récalcitrants Non, pour le mais faire, mais c'est c'est même pas ça. De obligatoire. toute façon, devant un notaire, d'abord, déjà pour passer une annonce, il faut et la Carrez et le DPE. Ah oui, non, mais on a encore des confrères qui sont contre-foot. Bon, bah, quand ils vont arriver chez le notaire, et le Ah oui, notaire va mais on demander le régularisera diagnostic, plus tard. s'il n'y a pas de Oui, je sais diagnostic, bien. il n'y a pas de signature. Ouais, je C'est un sais. document indispensable dans Voilà. la transaction. Voilà. Le DPE protège les locataires. Je suis diagnostiqueur chez Socotec. C'est Quentin Le DPE Sauvanette. protège les locataires. Bah oui, bien sûr qu'il protège les locataires. Ça donne une information sur le bien. Si il est mal noté, bah le locataire. Alors d'abord, s'il est mal noté, il peut pas le louer le bailleur. Mais oui, ça protège le locataire. Là, ça sonne Alors, dans tous les ouais. sens, là. Hein. Alors, comment faites-vous le calcul? Oh putain, le truc vient de. C'est un. Oh, oui. Oui, j'ai vu Non, alors là. ESDN, génial, ce Franck Sadoun de la société Diec Vision, il faut le faire revenir sur le live. Mais ça, des messages comme ça, j'en veux tous les jours. Ben ouais, Tous les mais c'est jours. ça, mais Mais je appelez-moi, alors. parce que non seulement je pense que je bosse bien, mais en plus je mets toujours des bonnes ondes, il y a une bonne ambiance. C'est Mais important. c'est pour ça qu'il est là, hein, en fait, sinon il serait pas là. Alors voilà, merci Marco. Je souhaiterais savoir comment vous faites le calcul énergétique. C'est chiant quand il y a une PAC et un ballon TH. Alors, une PAC, c'est une pompe à chaleur, et un D'accord. ballon TH doit être un ballon thermodynamique. Ben écoutez, je rentre toutes ces informations dans mon logiciel et l'algorithme le calcule. Ça m'arrive, il n'y a aucun problème. On peut mélanger. En fait, vous pouvez avoir une pompe à chaleur, un ballon thermodynamique ou un ballon d'eau chaude classique. Vous pouvez avoir un chauffage collectif et une eau chaude individuelle. L'inverse aussi, vous pouvez avoir un chauffage individuel et une eau chaude collective. On peut tout faire, hein, dans le logiciel. Il faut savoir bien l'utiliser. Alors, Loulou, 70% des DPE sont faux. C'est pas impossible. Je ne sais pas d'où sort ce chiffre, mais. Ben, il y en a quand même 30% qui sont vrais. Ouais. Prenons Bah ça alors, comme. Franck, il est dans les 30%. Bonjour, si le DPE est G, faut-il un diagnostic complémentaire? Ben non, Non. ça c'est Marocain 93 270. Non, tu as un DPE, il est G, il est G. Il est G. C'est Mais après. alors attention, parce que sa phrase, elle n'est pas complète. Bonjour, si le DPE est en G, faut-il un diagnostic complémentaire? Je dirais oui et non. Non pour un appartement en copropriété. Oui pour une maison individuelle où Ah le diagnostic complémentaire, oui, bien c'est sûr. un audit Oui. énergétique obligatoire. Voilà. Ouais. Oui, Voilà, voilà. mais c'est voilà, c'est peut-être ça. C'est pour ça que tu es dans les 30%. Oui. Alors, tourne, toun toun, partagez la vidéo, c'est gentil. Ça Alors, coûte de Toon plus en Toon, plus c'est sympa cher. Oui, comme ça, on a nom. vu. Ouf, dans les DOM, on est épargné par pas de DPE. Ça, c'est TikTok la cour. Alors,
Je ne connais pas très bien la réglementation, mais je sais que dans les DOM, il y a un truc qui se passe. Je crois que le nouveau DPE sera activé l'année prochaine ou dans 2 ans. Effectivement, il y a un sujet là-dessus. Je ne m'en rappelle pas Profite, parce que ce n'est pas du tout mon secteur d'activité. Petit coq la cour, profite, ça ne va pas durer. Alors, vendez, achetez. Quelle formation pour faire les diagnostics? Décidément, ça. Et quel prix? Ben, ça, c'est intéressant. On a déjà répondu. Hein. Salut, l'audit énergétique explique en détail les travaux effectués pour augmenter de catégorie. Ça, c'est Cindy 46. Oui, tout à fait. En fait, le but de l'audit énergétique, c'est de chiffrer les travaux. D'accord. Alors, parce que l'audit énergétique, il faut obligatoirement descendre d'étiquette. Hein. C'est sûr que si vous êtes en F ou en G, vous faites un audit et on vous le ressort en F ou en G, ça ne sert à rien. Le but de l'audit, c'est de sortir de la passoire énergétique et de chiffrer les travaux. C'est-à-dire, laisse-moi, Massin, c'est passer de ici à là, voire ici. Oui, en fait, pour arriver le plus bas possible. Alors, le plus bas, c'est pas là, c'est ici. Je dirais, moi, le plus haut, c'est là. Mais enfin, encore, on est en France, on n'arrête pas de parler des trucs compliqués. Donc, pour passer en... Est-ce que tu as déjà fait des diagnostics en A, non. Dans Paris? Non, ça n'existe pas. Enfin, rien n'existe pas, mais c'est très, très rare. C'est très, très... Il faut qu'il y ait une production d'énergie. Enfin, sur Paris, il n'y en a pas. Une usine à gaz. Bah, donc pour une usine électrique, ça consomme moins. Ah oui, c'est vrai. ne me parle pas de trucs comme ça, parce que je sens que ça va m'énerver. Alors, vous voyez, là, je suis désolé, mais il y a 25 questions qui viennent apparaître. Ça, on a vu. J'ai emménagé dans un appartement neuf. Alors, c'est abusé, je suis d'accord. Ça, c'était Lola qui nous le disait tout à l'heure. C'est combien DPE avec M. Sadoun? Ben, ça dépend de ce que vous avez à faire. Si vous avez des questions comme ça, n'hésitez pas. Donne ton portable. Si tu veux. Oui, vous faites le 112. Non, je plaisante. Oh, c'est les urgences. Alors, 06 16 76 04 78. Vous tombez directement sur moi. Redonne-le. 06 16 76 04 78. Voilà, comme ça, vous avez des questions, des machins, vous envoyez un WhatsApp, un SMS, ou vous appelez Franck. Voilà. Et je vous réponds. Sauf si je suis occupé, vous laissez un message et je vous rappelle après. Voilà. Alors, pas de problème. On a Pin-Up Art, et pour une maison en colombage qui a 200 ans. Mais on peut tout imaginer, encore une fois, c'est toute une question d'esthétique. Moi, j'ai vu des photos de chantiers d'isolation, ça fait une boîte à chaussures, en fait. Oui. Si vous le faites par l'extérieur... Mais vide. C'est horrible. Tu peux rentrer dedans, parce que si y a les chaussures, tu rentres pas dedans. C'est clair, ça dépend de la pointure. Mais c'est une horreur. Mais c'est comme ça, il faut penser aux générations d'après. Alexis Faes, vous en pensez quoi des pompes à chaleur? Ah, moi, j'adore. Les pompes à chaleur, j'adore. Non, je ne peux pas dire j'en pense quoi des pompes à chaleur. Parce que les pompes à chaleur, par exemple, dans du collectif, dans des immeubles collectifs, vous ne pouvez pas les mettre. Donc oui, c'est bien pour des maisons, pour éventuellement certains immeubles. Mais ça marche? Ouais, ça marche. Mais par exemple, dans Paris, c'est quand même assez rare de mettre des pompes à chaleur. Ah oui, pour avoir l'autorisation, c'est compliqué. On vous précise quand mais même qu'on est Paris, Île-de-France, tous les deux. Hein. Oui, c'est ça. Si vous êtes en province... ou alors même en proche banlieue avec une maison et des pompes à chaleur Non, une pompe à chaleur, c'est vrai que ça va consommer le moins. D'accord. Okay. Donc, bon, ben dans l'idée, oui, j'en pense quoi? J'en pense du bien, mais après, on ne peut pas en mettre partout. Donc, je vais dire c'est bien. Par exemple, vous êtes en appartement dans Paris, je dis c'est bien. Je dis je vais mettre une pompe à chaleur. Mm. Puis en fait, vous dites, mais il m'a dit n'importe quoi, je ne peux pas en mettre. Alors, c'est bien, mais je ne peux pas en mettre. Ouais. C'est bien, oui, mais c'est compliqué sur les grandes villes de pouvoir poser une pompe à chaleur. On a Yuzur Naim, qui vous faites de la réno globale. Non. Non, parce que je ne fais pas de la rénovation énergétique. On n'est pas entrepreneur, on n'est pas dans les travaux. Tête Huc, bon. C'est quoi l'avenir dans l'entrepreneuriat du DPE? Bérifique. Alors, Bérifique, c'est quoi l'avenir dans l'entrepreneuriat du DPE? L'avenir dans l'entrepreneuriat, bon, savoir s'il y aura du boulot dans le DPE, oui, évidemment, puisqu'on est dans l'ère de la rénovation énergétique et du DPE. Oui, il y a de l'avenir, évidemment qu'il y a de l'avenir dans tout ce domaine-là. Après, il faut bien faire son boulot, hein, c'est tout, c'est comme n'importe quel boulot, c'est comme tout. On a qui si bon? J'ai 4 biens avec une rentabilité à 11% autofinancé, je voulais faire une opération de défisc. Eh ben, très bien. Faites-le. Voilà. Parfois, il y a juste des affirmations sans question. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, on va répondre plutôt aux questions. Les taux d'emprunt, quelle évolution? À la hausse, cher Mathieu, on l'a dit tout à l'heure, pour que ce soit rentable pour les banques, il faut que ce soit à 5,5. Donc, on n'y est pas encore.
Voilà. Bonjour, faites-vous le calcul énergétique quand il y a... Ah, bah, on a déjà répondu, ça c'est Marco. Oui, on fait bien sûr entre une PAC et un. Comment faites-vous? C'est comment faites-vous? Tu as déjà répondu. Tu as C'est déjà mon. répondu. Oui, mais Tu c'est as déjà Modulo, donc répondu. voilà, Voilà. logiciel, et puis il faut Voilà. savoir l'utiliser. LND, selon vous, quel est le pourcentage de différence de prix en prix entre une maison C et E, maison similaire? Ah bah tiens, bonne question. Alors ça va nous concerner un petit peu tous les deux. Moi, je vais plutôt parler d'appartement plutôt que de maison. J'ai envie de te dire que la différence va vraisemblablement se faire. Naturellement, la personne va aller sur C, mais si elle a un coup de cœur sur le E, elle va demander une prestation à Franck, puisque tu lances L'évaluation ce thermique. service-là, une évaluation thermique qui sera donc chiffrée, et la personne fera une offre, et donc Avec une solution en de. pourcentage. C'est difficile parce Ouais, c'est qu'on compliqué. n'a pas encore assez de retour. D'expérience pour te répondre clairement, cher Hélène.D. Mais c'est une bonne question. Je t'invite à la reposer dans un an ou deux. On aura vraisemblablement beaucoup plus de retours. Ou alors j'aurais fait faillite, je ne serais plus là, Oui. je Ou peut-être boufferais. qu'on aura gagné au On loto aura et on gagné au sera loto en et on voiture fera du des trucs. Éventail Voilà, c'est avec un ça. cocktail Et on aura un Mutis téléphone comme ça. sur la Voilà. plage. On perd doublement coût des travaux isolation plus perte surface carrée. Ça, c'est Rachaud. Alors Rachaud, il a Alors, raison. Rachaud, Moi, je suis d'accord avec lui, Rachaud. oui, il a raison, mais en fait, il ne faut pas avoir je perds Alors, doublement. à court terme, il a raison. Oui, il a raison et il a tort. Évidemment qu'il va perdre, mais en fait, il va gagner parce qu'il va rendre. À long Et terme, bien, pas si à long terme, je dirais à moyen terme, court terme, parce que s'il est en G, oui. il peut plus louer. Oui, d'accord, ok. Donc, s'il fait de la réno, il va peut-être réduire sa surface, mais il pourra d'abord, il aura le droit de le louer. Et s'il veut le vendre, son appartement, il pourra mieux le vendre. Tu m'emmerdes, t'as raison. Alors, Racho, je suis désolé, il a raison. Il a raison et il a tort. Bon, Racho, j'espère que Franck, t'as bien répondu. Julien, bonjour, je suis sur un projet d'achat d'une maison classée G, c'est grave. Bah, c'est pas grave à partir du moment où tu as la conscience que tu pourras jamais la louer si tu la laisses en G et qu'il va falloir faire face à des travaux d'isolation, somme toute assez importants. Est-ce qu'il y a une différence de coût, je dis n'importe quoi, de passer de G à D et de E à D? Les travaux sont plus importants? Ou c'est juste Ah oui, bah oui? oui. Ah bon, Oui, ben oui. voilà, ok. Parce Ben qu'on c'était part, on juste ma part de question. beaucoup C'était plus juste ma haut. question. Ok. Ne nous emballons pas. On va répondre à ceux qui nous regardent. Quentin Sauvage, alors, Bac bac plus plus 2 dans le 2. bâtiment. Alors ça, je pense que ça, C'était c'est pour le les minimum pour les formations, les formations. prérequis. Voilà. Minimum besoin du bâtiment. Bon, ok. Pompe à chaleur, on a répondu. Est-ce que ça marchera encore à l'avenir, entrepreneuriat DPE? Ben, je pense que oui. L'audit J'espère. l'énergie. Alors, pardon, c'est Cindy 46. L'audit énergétique explique-t-il en détail les travaux à effectuer pour augmenter de Ah oui, catégorie? absolument, c'est le but de l'audit, c'est d'expliquer en détail et de chiffrer en détail tous les travaux à faire. C'était la question. Merci beaucoup. Merci, Cindy 46. Je suis d'accord avec Milidou, je ne comprends pas très bien l'appartement 9 en D. Sincèrement, je ne comprends pas. DGE 70-400, le BTS bâtiment est requis pour faire des diagnostics de performance énergétique. C'est possible. BTS requis. BTS Je suis bâtiment pas requis. sûr, hein. Euh, Je non, suis pas non, sûr non, non, parce que j'ai non. un confrère, moi, qui est chez IAD et qui a rajouté une corde à son arc et qui a fait une formation pour faire des Ben, diagnostics. lui, il n'a pas le droit d'être Diagnostics. juge et partie. Hein. Non, parce qu'il ne fera jamais sur les mêmes trucs. Alors, je ne sais D'accord. pas comment il se Bon, débrouille, ok, hein, mais bon, c'est son problème. Et voilà. s'il réussit, tant mieux pour lui. Ouais. C'est ça que j'ai envie de dire. Alors, qui si bon? Mais les banques bloquent ou proposent du 3,20 sur 20 ans TEG rédhibitoire pour moi. Alors, écoute, très sincèrement, qui si bon 3,20, je ne l'ai plus entendu depuis très longtemps. Ok, tant Julie, mieux on pour a vu. lui. Tu veux le relire? Non? Trop bon Non, c'est papa? Oui, bon. c'est vrai. Alors, Gilly, il est quand même facile de vérifier l'épaisseur. Alors, Gilly, j'ai plus tendance à faire confiance à Franck Sadoun, avec qui je travaille depuis 15 ans, quand il va me dire que c'est pas possible. Dire que c'est quand même facile de vérifier l'épaisseur en enlevant une prise alors qu'on n'a pas le droit de le faire, je suis désolé, mais on est hors cadre. Alexis Fess, impossible. Bon, alors, Impossible de mais quoi? je sais pas. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les gens y répondent les Eh uns les oui, autres, c'est donc ça, on ne éviter sait un pas. fil, on n'arrive plus à J'ai savoir. vu la fin du Pinel, la mort de l'immobilier. Non, le Pinel. Si ça se termine, ça va surtout impacter les constructions neuves, les promoteurs qui sont en faillite. Vous avez plus, par rapport à l'année dernière, c'est encore une autre vidéo sur laquelle je suis tombé. Il faut arrêter de regarder les informations, en fait, les amis, hein. Vous regardez les informations, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous balancer par la fenêtre. La fin du Pinel, 50% des clients qui se sont lancés dans un projet d'achat dans du neuf
ont changé d'avis du jour au lendemain. Donc vous imaginez bien que le constructeur, il va aller au tapis. Ça, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Et si un constructeur va au tapis, ou même une agence va au tapis, ben, c'est tout l'environnement qui est autour, en fait. Quand un professionnel de l'immobilier disparaît, il va entraîner un diagnostiqueur. Il va entraîner diagnostiqueur qui achète du matériel pour faire ses trucs. Ben, il y aura moins, etc. La rénovation énergétique, on est des Anaïs qui nous suit. Merci Anaïs. Un cœur blanc et c'est quoi ça, c'est comme fleur? Ah, c'est dommage. C'est de l'olivier ça? Non, c'est, bon. C'est frustrant de ne pas voir l'image de fond, mais oui, mais ah, voilà, vous non, nous voyez nous. Non, non, alors, vous nous voyez nous. Alors attends, la dépression de Vivien, c'est frustrant de ne pas voir l'image. Alors juste pour Vivien, 5 secondes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous voici. Voilà, dommage, désolé, ouais. La dépression du Vivien. Ouais. Comment se passe-t-il pour une maison en colombage de 300 ans? On a déjà répondu sur celle de 200, donc j'imagine que c'est la même chose. Ouais, ça marchera encore à l'avenir, aussi, le DPE. Avez-vous expliqué aussi la différence entre... Ah, tiens, oui. Manua, avez-vous expliqué la différence entre un DPE, l'audit réglementaire et l'audit incitatif? Oui, oui. Alors, je vous laisse se démerder. Ben oui, on a vu l'audit réglementaire, c'est à faire sur les maisons en monopropriété, tous les biens en monopropriété. Le DPE, il a à faire quoi qu'il arrive pour chaque transaction, ou chaque, que ce soit vente ou location. L'audit réglementaire est obligatoire pour les DPE. Oui, on a répondu tout à l'heure. Oui, ouais, tout ouais, à ouais. fait. Alors donc, Manua, oui. La dépression de Vivien, j'espère qu'il n'est pas trop déprimé. Amour a suivi le créateur live, ça c'est gentil. Annie, elle veille. Merci Annie. Vous formez une belle équipe. Ça, c'est sympa. Oui, c'est gentil. Ça, merci beaucoup. Ben, en fait, bah ouais. Berryfix, ça marchera encore à l'avenir. Alors, Amar Adou, est-ce possible d'améliorer de FAC un studio dans une maison? Alors, on a répondu. Ah, on a répondu tout à l'heure. Pour voir l'épaisseur, il faut enlever la prise électrique. Ça, c'est Yefsa 1 qui nous dit ça. Sauf que... Non, non, mais... Évidemment, je peux démonter la prise électrique. Regardez, j'ai pas le droit de le faire. Bon, ben voilà, ça s'arrête là. Non, mais j'ai pas le droit. Surtout, si la personne a fait des travaux, elle a les factures. Donc, qu'est-ce que je vais démonter une prise électrique si j'arrive pas à la remonter ou la cloche, elle se barre, je peux pas la refixer, etc. Non, c'est méfiez-vous du professionnel du diagnostic qui va vous dire oui, pas puis, de problème, j'arrive, je démonte. Hein. Puis, non, mais honnêtement, on sait pas comment ça a été. Non, mais c'est simple. Imaginons. Franck arrive. On ne va pas dire Franck parce que s'il y a un extrait qui est pris, vous avez un diagnostiqueur complètement fou, Philippe diagnostiqueur, qui arrive avec son tournevis, qui dit « Attendez, mais moi c'est facile, je vais aller voir l'épaisseur du mur. Je démonte, j'arrache la prise, je la remets, dans la nuit il y a un incendie électrique. Qui est responsable ?» Je vous laisse répondre. La ah bah oui, bien sûr, évidemment. Moi, je suis jamais venu. Marco, on est revenu en avant, enfin on est remonté, on est vers le A. Là, on descend vers le G. Selon vous, quelle est la différence de prix? Ça, on a répondu. Tout simplement en démontant une prise ou un interrupteur. Ben, Jeff du Loiret, vous pouvez faire ça quand vous êtes bricoleur, mais vous ne pouvez pas faire ça. Il faut bien comprendre que quand vous êtes professionnel, vous ne pouvez pas faire ce que peut se permettre de faire un particulier. Il y a des lois. Donc, un pilote de ligne n'a pas le droit de faire un looping dans son avion. Le même pilote, vous le mettez dans un avion privé, il peut faire des loopings. Mmh. Est-ce que c'est clair ça comme exemple? Clair, c'est pas mal. Mais ne le prenez pas l'avion quand même. Oui. On peut encore faire des sous dans le DPE, vraisemblablement, mais c'est un vrai métier. Hein. C'est pas comme l'immobilier, j'arrive, tête avec boum boum, c'est moi, et je vais gagner des 1000 et des 100. Hein. Je vous rassure que c'est pas comme ça. Silver Apollon, bonjour, je mets en vente un appart en classe E et je pleure. Oh, ne pleurez pas. Alors? Ne pleurez pas. La majorité des logements en France sont en D ou en E. Donc, ne pleurez pas. Eux, vous pouvez descendre facilement de l'être en faisant un peu de travaux sans rentrer dans des sommes pas possibles. Et si vous êtes en D, vous n'êtes plus soumis à aucune restriction. Donc, ne pleurez pas. Souriez. Vous n'êtes pas en G. Il faut voir l'autre côté de la phrase. Je suis en E, je pleure. Non. Si vous êtes en G, vous pleurez. En E, vous riez. Voilà, et l'idée de ce live, c'est toujours de trouver des solutions. C'est ça. Et non pas d'être anxiogène. Non. Nous, c'est pour être anxiogène. Non, il faut voir. Vous regardez BFM, vous avez peur. Ici, c'est pas l'idée. Hein. Miloudou, alors ça, j'ai vu. Comment faites-vous le calcul? On a déjà répondu. Alors, avec une caméra thermique, on peut calculer le U d'un mur. Alors ça, c'est DJE 70-400. Alors, on est rentré. Alors, si je peux me permettre. Ici, on est là pour vulgariser un petit peu l'immobilier. Donc, on va essayer de ne pas faire des trucs hyper trop techniques. Parce que moi, le U d'un mur, je ne sais pas ce que c'est. Non,
Peu importe. On n'a pas besoin d'avoir une caméra thermique. D'avoir une caméra thermique, une bonne, ça vaut très cher. C'est pas obligatoire d'en avoir une pour faire un diagnostic de performance énergétique. D'accord. Il faut juste prendre le bon périmètre du mur, la bonne largeur, le bon matériau qui forme ce mur, l'isolant s'il y en a. Voilà. Et avec ça, ça suffit. Donc, je ne rentrerai pas là-dedans. Caméra thermique, ça, dans le DPE, on n'en a pas besoin. Merci. Si on le fait bien, on n'en a pas besoin. Merci Annie pour le coup de main. Génial ce Franck Sadoun, très beau et très sympathique. Je ne sais pas si on l'avait déjà vu. Non, mais je ne m'en lasse pas. Moi, il n'y a rien. Je ne m'en lasse pas. Moi, il n'y a rien. Il y en a que pour toi. Je pense que en fait, c'est la dernière fois que tu viens ici faire un live. Ouais, bah, c'est dommage parce que j'y prends goût. Ouais. Hein. Pour voir l'épaisseur, il faut démonter la prise. Oui, on peut aussi couper le mur en deux. Alors, Omios, m'en veuillez pas, hein, mais vous avez bien compris que les obligations d'un professionnel, d'un vrai professionnel, il suffit de faire un trou de 1 mm et passer une tige pour. Non, mais. Et qui va réparer le trou, en fait? Mais, on passe à autre chose. On ne va pas polémiquer là-dessus. J'ai envie de dire, oui, vous avez raison. Moi, je ne le fais pas. Voilà. Moi, je ne le fais pas. Exact. Mais ouais. Faites-le. Si vous savez le faire, faites-le. Voilà. Je n'ai pas de problème avec. Alors, on perd doublement. Coûts, travaux, pertes, les biens vont fortement augmenter. Ça, c'est Rachaud. Classé F, plutôt, pardon. Ah, ça, c'était Silver Apollon qui était classé E, qui pleurait. Tu vois, oui. Je me souviens des trucs. Oui, oui. Et qui était classé F. Bah, c'est un... Alors, vous avez encore jusqu'en 2028 pour louer, si c'est un bien que vous mettez en location. Bon, F, bah, c'est une belle lettre parce que je m'appelle Franck, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais au niveau DPE, c'est pas génial parce que vous êtes quand même en passoire énergétique. Là. Voilà. Mais vous pouvez toujours faire des travaux. Je ne sais pas quoi vous dire. Évidemment qu'on aimerait tous être en A ou en B. Maintenant, il y a des appartements. Moi, je suis dans un appartement qui est classé en G. Pourtant, c'est des années 70. Je suis au dernier étage. Mais tu t'en fous parce que tu ne veux pas vendre. Mais je ne veux pas vendre. Ben mais voilà. Si un jour je vends, ben, il faudra que je pense à faire des travaux de rénovation pour énergétique. Pour ou alors faire un audit énergétique dont on parlait tout à l'heure. Ou une évaluation thermique. Une évaluation thermique. Pour proposer une solution de travaux. Voilà. Au client que j'aurai, à mon acheteur, et dire voilà, et bien voilà combien ça va coûter. Alors, je ne donne pas les prix, je donne juste. Ah oui, c'est ça. C'est très important. Ouais, ouais, ouais. Je rentre Écoutez ça parce que quelqu'un a posé la question tout à l'heure. Alors, parle-nous de ce que tu vas proposer ou de ce que tu proposes déjà. Alors, ce que je propose déjà, on a fait une dernière vidéo là-dessus, mais une personne qui vend un bien, un appartement en collectif, en F ou en G, la personne est souvent affolée, elle ne sait pas quoi faire. À ce moment-là, bon, elle m'appelle, j'interviens et je fais une évaluation thermique. C'est-à-dire que je vais proposer les solutions de travaux, des bouquets de travaux, des simulations, enfin des scénarios 1 ou 2. Des scénarios. Des scénarios pour baisser la lettre de G pour passer en E, premier scénario, et de E pour passer en mieux, en D ou en C. Et je vais proposer exactement le détail de tous les travaux qu'il faut faire pour pouvoir sortir de cette passoire énergétique. Mais je ne chiffre pas les travaux, parce que vous preniez la société A, B, C ou D, vous aurez 4 devis différents, mais au moins vous aurez une base pour donner à votre entrepreneur un devis, pour lui demander un devis sur une base réelle. Voilà, c'est ça ce que je fais. Okay. Mais je ne rentre pas dans le chiffrage des travaux. Mais de toute façon, comment est-ce que tu peux chiffrer quelque chose? Je dis n'importe quoi. On est au mois de juin. Tu viens, tu interviens, la personne qui fait un audit énergétique a donc un devis. Oui. Ben, si elle ne fait pas les travaux le jour même, aujourd'hui on est dans une constante augmentation des coûts. Je sais, ben c'est pour ça que je ne rentre pas dedans. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le prix de la fenêtre en double vitrage PVC, en 4-16-4, VIR, etc., elle va coûter tel prix. Moi, qui me si dit que à la rentrée mois, en septembre, ouais. Elle n'aura pas augmenté. Alors, baisser, j'y crois pas. Ouais. Mais qui alors, me dit qu'elle n'aura pas augmenté? Je ne sais pas. Donc, je ne chiffre pas les travaux. Encore un truc. Je propose une liste avec les travaux à faire et les gens donc, proposeront à leur entrepreneur de leur demander un devis avec ce qu'il faut faire précisément. Et là, ils auront un vrai devis. On a plus de 100 messages de retard. Ouais. Comment ça se passe? Alors, on a répondu, la maison de 1793, c'était 200, c'est 3 ans, c'est la même chose. Ils vous disent que pour savoir, il faut regarder derrière la prise pour savoir derrière le mur. On n'a pas le droit de faire du truc invasif. Donc, on ne démonte rien. C'est un contrôle visuel. C'est quand même incroyable. Mais vraisemblablement, ce sont des gens qui ont écrit avant qu'on ait déjà répondu. C'est possible. Voilà. C'est donc, possible. On ne vous en veut pas. Hein. Vraiment, il suffit de retirer les systèmes de chauffage et pas de DPE. Ça, c'est Yako. Alors, Yako a raison. D'accord. Un bien qui n'a pas de système de chauffage fixe. D'accord.
S'il n'y a pas de système de chauffage fixe, ouais. Il n'y a pas de DPE. Ah merde, d'accord. Donc vous prenez, okay. Moi ça m'est arrivé de faire des chambres de service, il n'y a pas de radiateur, pas de DPE. D'accord. Tout simplement. Bon ben voilà. Vous en pensez quoi de l'audit énergétique? Je pense qu'on a un petit peu répondu, Nico. L'audit énergétique, c'est bien, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. Il faut que ça soit fait vraiment par des professionnels. Mais le chiffrage de travaux, pour moi, ça me gêne parce qu'on ne peut pas chiffrer tous les travaux classiques, les travaux induits. Donc, s'il y a une fissure dans un mur derrière une isolation, moi, je ne vais pas la voir. Pourtant, dans mon audit, il faudra que je puisse chiffrer la réparation de ce mur, de cette fissure. Ah bon? Ah ouais, ouais, ouais. Oh là, ah ouais, ouais, non, non, bon, c'est pour ça. Ouais, okay. Donc, c'est... Bon, next. Voilà, next. Miloudou, sérieusement, est-ce que c'est le moment d'acheter? J'ai fait une offre pour une maison en Loire-Atlantique. Miloudou, c'est le moment si tu l'as obtenu au prix que tu estimes qu'elle vaut. C'est quand même, dans l'immobilier, il ne faut pas oublier une chose, c'est que contrairement à une boutique dans laquelle vous allez rentrer, je dis n'importe quoi, hein, vous allez rentrer chez Apple et vous dire, bon, moi je veux le MacBook machin, il est à 3000, je fais une offre à 2500. On va vous rire au nez et à la limite vous raccompagner gentiment à l'extérieur. Dans l'immobilier, ce n'est pas la même chose. Vous avez une maison à 300 000, rien ne vous empêche de faire une offre à 270 000. Je reste cohérent dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans les 10%. Donc, il n'y a pas de mauvais moment pour acheter, Miloudou. Vraiment, vraiment, vraiment. Il n'y a que ceux, encore une fois, qui attendent, mais ils attendent toute leur vie, qui ne font finalement jamais rien. Tous les deux, on a pris le risque d'être entrepreneurs. Mais si on avait hésité, j'ai rien contre ceux qui ne sont pas entrepreneurs. Bien sûr, mais on serait pas là. On serait pas là, c'est merveilleux quand même de faire un live. Mais absolument, ensemble. Absolument. Alors, on continue. On va essayer d'être sérieux. On a le même nom. Oh, oui, putain, c'est ouais. Enchanté. Alors, moi, il n'y a qu'un seul A, mais ouais. Ça se prononce pareil. Mais moi, je préfère avec deux A. C'est plus chic. C'est exotique. Ça, Doun. Ah oui, c'est quand même. C'est plus chic. Que pensez-vous de ma prime rénov? Ben on en Anaïs. Bien, mais je ne vais pas rentrer dedans parce que, comme je l'ai dit tout on à maîtrise l'heure, pas. Mais je maîtrise pas. On maîtrise pas, Anaïs. Je suis désolé. Petit cœur blanc. Hugo Simonelli qui nous suit, ça c'est gentil. Morgane, Guy, hello. Vous avez une solution pour un vendeur qui n'a pas désencombré la maison à la vente? Oui. Alors ça, Morgane, ça c'est un cas typique. Toujours revisiter la veille de la signature de l'acte authentique. Vous revisitez. La cave, si elle n'est pas vidée, vous dites au notaire qu'il va il va retenir une somme jusqu'à une somme qui peut aller de 5 à 10% de la valeur de vente. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit dissuasif et ça va forcer votre vendeur à débarrasser ses cochonneries de la maison. Donc, Morgane, ça, c'est le boulot du notaire. Et voilà, ça c'est une vraie solution, Morgane. J'espère qu'elle te plaît. J'espère que tu as marqué un like, 25 heures. Et que tu vas donner un avis sur... alors moi j'adore faire ça et oui, ça marche oui. Un avis Google, tu tapes Philippe Jean-Louis sur Google et tu dis ce que tu penses de ma réponse, voilà. Oui, et vous êtes nombreux à l'avoir fait, oui. Donc je vous remercie, moi ça m'aide énormément et ça me permet et ça me donne encore plus envie de faire des lives gratuits parce qu'on vous donne plein de conseils et voilà, aussi pour donc moi, si Morgane et vous pouvez le faire aussi Diac pour Franck Sadoun sur Diac Vision. Voilà, sur Diac Google, Vision, page jaune, vous voilà. Trouvez, vous likez. C'est du placement produit. Donc, je vous plaisante mon produit. Il est magnifique, il fait des super Diag. Donc, Morgane, ça, c'était pour toi. Annie, oui, je l'ai fait plusieurs fois. Ça, c'est Marco. Miloudou, dans quelle ville? Tu vois, tu as épinglé un truc, mais on ne l'a pas vu, Annie. Il n'y a pas de bon moment. Donc, oui, bravo, Manuel, je suis d'accord avec toi. 20%, Ruskoff, 20% de taux est déjà arrivé avant. 20% de taux? Je ne sais pas de quoi on parle. Si tu peux reprendre, Marco, ils sont en apprentissage. Et oui, on a un apprentissage de TikTok. Absolument. Mais on assume. Mais on assume complètement. Et encore, on a du bol. Ils ne peuvent pas nous mettre des casquettes parce que j'ai vu qu'on pouvait mettre des casquettes aux gens et tout ah, ça. Ah, balancer des tomates ou des trucs. Oui, on revient. Ouais, ouais. Moi, je ne suis pas sûr sur ce truc-là, mais il me semble que oui. Mathias, JVNTN, vous êtes d'où? Alors moi je suis de Paris, on est parisien en fait. On est parisien, Boulogne, on peut dire Paris, ça. Boulogne-Billancourt et Paris dans l'ouest de Paris, dans le 16e. Marco, je souhaiterais savoir, non mais Marco, ça, en fait ce qui se passe, c'est qu'il a déjà posé sa question, mais en fait, Morgane, hello, avez-vous une solution? On a répondu, je vous assure on a du retard, il y a plus de 100 messages à répondre. Selon vous, quelle est la différence? On a répondu, voilà la solution encore plus simple pour voir l'épaisseur. Bon, remonter la prise. Alors, Lily, comment prendre rendez-vous avec France Adoun? On n'a
pas le site internet. Doucement. Je vais essayer de l'écrire. Je vous promets rien, mais c'est parce que je sais jamais faire. Alors, je vais déjà le dire oralement. Ouais. www.diagvision, diagvision.fr. Tout simplement. Est-ce que tu imagines que je sais même pas écrire, quoi? C'est un truc de dingue. Ah si, commenter, ici. Alors voilà. Vas-y. Alors, www.diagvision. Vision. Non, pas de S. Diagvision. Diag. Attends, non, c'est Diagvision. Alors, deux points. www.diagvision.fr. S-I-O-N.fr. Et voilà. Voilà. Et épingler ce commentaire. Alors là, voilà, c'est épinglé. Non, j'ai rien effacé, tu fais comme ça. Voilà pour ceux qui veulent diagvision.fr. Alors attendez, parce que du coup. Là, vu qu'on était à plus de 100, il va falloir remonter. Je sais pas, il y a marqué plus de 99 ouais, messages. Ouais, je sais. Parce que tu habites dans le Nord, c'est surtout. Alors voilà, ok, très bon live, vous devriez passer sur. C'est Coco Camara. Merci Coco Camara, on devrait passer sur M6. Oui, sur toutes les chaînes d'ailleurs. Ouais. Alors, je loupe mon interview. Bonjour, vous faites des séances d'explication et de rappel sur ce compte, jeune Diag alternant. Alors, vous faites des séances d'explication et de rappel sur ce compte. Alors, Benjamin Guillaume, il appelle ça une chaîne, il a raison, le compte TikTok. Moi, je fais des lives réguliers, voire des vidéos. On a déjà fait une vidéo sur des thèmes bien précis. Où on est un peu plus concentré et puis on essaye de répondre. Mais moi j'aime bien le format du live. Le live, c'est donc sympa. On en fera d'autres. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir une. Je voudrais vous poser une question à vous. Est-ce que c'est cohérent de nous voir comme ça? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que c'est simple pour vous? Je veux bien avoir votre ressenti, retour, s'il vous plaît. Absolument. Bonjour, j'ai acheté une maison en février. Sur le DPU, ils ont mis qu'il y avait une VMC alors que non. Alors, ça, c'est, bah, voilà. Alors, Dja, ça, c'est clairement une erreur du diagnostiqueur. Ben oui. Et oui, il est-ce qu'il est responsable? Ah, bah oui, c'est son rapport, c'est lui qui l'a signé, il est responsable. Ah, bah voilà. Je sais pas quoi vous dire. Hein. Bon, attention, c'est pas parce que je pense pas, hein, en mettant une VMC ou autre chose, que vous passiez du G au A, hein, de toute façon. Ça peut bouger la lettre, c'est sûr. Mais je ne peux pas en dire plus, je ne sais pas. Je ne peux pas parler sur un dossier que je ne connais pas, je ne sais pas de quoi on parle vraiment. Ouais. Mais oui, c'est de sa responsabilité, ouais, absolument. Bon. Ce n'est pas très esthétique, les deux à l'écran. Ah. Je me casse. Moi aussi, voilà. Vas-y, reviens. Alors, bonjour, comment le mec de la DPE vérifie? Alors, Lou, le mec de la DPE vérifie la maison après une rénovation complète, il ouvre le placo. Ben oui, bien sûr. Alors il vient non. avec sa masse. Alors, non, c'est important. En fait, une des seules choses qu'on peut pas vérifier réellement, c'est l'isolant. Si on n'a pas de facture, je vais pas casser un mur, défoncer un mur, dire ah ben vous avez 10 cm d'isolant, super, merci monsieur, je fais mon DPE puis je pars. Mais il a un trou dans le mur. Donc il y a que les factures de travaux qui feront foi à ce niveau-là. Ah ben tiens, regarde. Merci à vous, j'ai fait jouer ma protection juridique. Bravo Dja, bon réflexe. Démonter une prise, mais. Alors, je n'ai pas le droit de le faire, je ne le ferai pas, à moins qu'un propriétaire le fasse, mais à ses risques et périls, mais moi, je ne touche pas. Imaginez que je m'électrocute, ça peut arriver, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je suis mort, mon assurance. Tiens, ESDN, votre société Diagvision, diagnostic immobilier, combien d'années d'ancienneté, monsieur Franck Sadoun? Ça, c'est bien, c'est poli. Merci, alors, ESDN, j'aime bien cette formulation. Diagvision a 11 ans ou 12 ans. De mémoire, et j'ai exercé dans une autre société que j'ai fusionnée à l'époque, et ça fait 15 ans. En tout, ça fait 15 ans. Voilà, j'espère avoir répondu, et que tu as répondu, merci. Dja a suivi le créateur, ça c'est sympa. Est-ce que je peux exiger à mon propriétaire un nouveau DPE si le dernier date de 2007? Ah, bah évidemment, 2007. Alors, celui de 2007 était valable 10 ans, donc c'était 2017 la fin. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes obligé de lui demander un nouveau DPE. Alors, des beaux. Est-ce que l'isolation extérieure est vraiment efficace? Est-ce que l'indice monte à... Ben oui. Alors l'isolation extérieure. Tout dépend de ce que tu mets. Alors même l'isolation extérieure est plus efficace que l'isolation intérieure parce que l'isolation extérieure va entre guillemets effacer les ponts thermiques de façade. Eh oui. Parce que isolé par l'intérieur, deuxième étage, premier étage, ouais. Entre les étages, il y a un palier intermédiaire. Enfin, il y a un palier. D'accord. Donc il y a un pont thermique à ce niveau-là. J'ai compris. Isolation par extérieur, il n'y a plus. Tu as un collègue qui s'appelle Vincent. Merci, enfin un collègue sérieux.
Ah bah écoute Vincent, merci beaucoup, ça me fait plaisir. J'essaye d'être le plus professionnel possible. Ah, excuse-moi, il y a Jean-Louis qui écrit, c'est mon nom de famille. Ah. Non mais merci Vincent, c'est toujours sympa d'avoir un retour positif, pas que des trucs négatifs. J'essaie vraiment mais de faire bien mon boulot. Mais jusqu'à maintenant, il y a zéro truc négatif, donc c'est génial, merci beaucoup. Il y a eu 3000 personnes qui ont liké. Il y a eu 3000 petits cœurs comme ça. Ah, merci beaucoup. À mon avis, c'est pour toi. Je vais lancer ma chaîne. Hein. Bah, écoute, j'espère que tu m'inviteras. Peut-être qu'en septembre, vous aurez une bonne surprise. Et je ferai des lives dans des appartements pour vous montrer peut-être. Ça, c'est vachement bien, ça. Ouais, j'ai pensé. Ça, c'est une très bonne idée. Je vais mettre ça au point. Ça, c'est une très bonne idée. La loi Boutin est valable pour la loc, mais est-elle valable pour la vente? Non. Ça, c'est Hugo Griffin 32. Alors, la loi Boutin, en fait, c'est le calcul de superficie. Pour la vente, c'est la loi Carrez. Pour la location, c'est la loi Boutin. Et on ne prend pas la même chose. Marco, vous êtes super. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Merci. Moi, j'adore en fait faire un truc en duo. Ouais, tu sympa, aurais le ça. Compte avec 1000 abonnés. On pourrait le faire en direct. C'est pas mal aussi. Mais c'est plus sympa comme ça. Ouais, absolument. Merci. Diagvision se déplace dans l'Essonne. Alors, éventuellement, c'est pas trop ma zone, mais pourquoi pas. Mais je suis vraiment dans l'Ouest. En fait, c'est pour... Ce serait plus loin, quoi. Ouais, j'ai un temps de déplacement qui est beaucoup plus long. Il faut voir. Je dis jamais non. On voit. Tu as le site internet et tu vois. Et n'oubliez pas qu'il y a quand même un truc qui est important. À mon sens, hein, quand vous avez un prestataire, notez-le en bien ou en mal. C'est le nouveau truc, autant faire. Salut à tous. Salut Lydie. Merci Marco pour le compliment. Ayagou qui... Quel logiciel utilisez-vous? Alors moi, j'utilise Office Expert. Il y en a plusieurs, mais moi, j'utilise Office Expert. Voilà. Merci. Comment devenir diagnostiqueur à son compte? C'est Eiljil Mselati. On en a parlé tout à l'heure. Il faut un prérequis dans le bâtiment. Il faut faire des formations, des examens écrits oraux. Et à l'issue de ces examens, si on les a, on a notre certification qui est valable 5 ans. Ah, c'est-à-dire tous les 5 ans, on est obligé de tout repasser. Ah oui, d'accord. Ouais, super. Bon courage. Et ça coûte. Hein. C'est pas gratuit. Et Gilles. Delal, les fenêtres et portes PVC, c'est important aussi. Alors, une porte en PVC, ça existe. Ah bon? Oui, par exemple, s'il y a des portes en PVC, des fois elles sont isolées, des fois non, ça existe. Alors, dans les maisons, on en voit souvent. Dans les appartements, j'en ai déjà vu quelques fois, mais rarement, mais ça existe. D'accord. Ben, voilà, j'ai encore appris un truc. Alors, évidemment, c'est important. Bonjour, copropriété est dans l'obligation de faire des travaux énergétiques. Jean-Louis 703. Alors, il va y avoir des audits obligatoires aux copropriétés de moins de 50 lots. Les plus de 50 lots, ça a été fait, mais il va y avoir plusieurs étapes dans les années à venir où les copros seront obligés de faire des audits énergétiques pour chiffrer les travaux à faire et les faire pour avoir un bâtiment qui ne consomme plus beaucoup d'énergie. Ouais, c'est dans l'air du temps. Agent Influent qui nous a balancé une rose. Merci Agent Influent. Merci beaucoup. Alors on gagne 0,001 centime quand on fait ça. Moi j'ai découvert ça m'amuse. Donc, c'est assez sympa parce que je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il est obligé de le payer, etc. Enfin, bon, d'accord. Voilà. Là on est déjà à 7 500 000 euros de bénéfices. Ouais. Waouh, c'est génial ton live. Je vais arrêter de bosser. Je vais acheter un nouveau téléphone. Ouais. Bon, alors il y a Lolo Slayer. Bonjour, vous utilisez quoi comme véhicule? Plutôt voiture pro ou camionnette? Ah ben plutôt moto, hein, donc... Voilà. L'innocent. Ah, pas mal l'innocent. Ah, très bon. Joli, bravo l'innocent. Peut-on s'isoler de la chaleur? Bah, oui. Oui. Merci à Jean Influent. C'est un confrère. Saint PA. Alors, j'essaie toujours de trouver des trucs. L'audit énergétique vont mettre à mal les maisons énergivores. Alors, c'est le DPE qui les met à mal. Après, l'audit énergétique, il va trouver la solution pour faire les travaux, pour baisser l'étiquette, avec un coût de travaux. C'est une aide à la vente parce qu'on dit, voilà, vous avez une maison en G, en faisant ces travaux à tel prix, de G, vous allez passer à D, admettons. Donc, c'est plutôt le DPE qui les met à mal. Mais l'audit, c'est un outil pour sortir de cette passoire énergétique. Alors, on a SIFA qui est 13010 qui répond à l'innocent. Quand tu es isolé, c'est isolé chaleur et froid, évidemment. On parle d'isolation thermique. Donc, ça concerne le chaud et le froid. Sarouillé 9. Bonjour, c'est 7 ans maintenant alors, pour les nouveaux. Oui, absolument. Alors, moi, là, je repasse toutes mes certifs parce que je suis en cycle de 5 ans
parce que j'ai fait 15 ans de vieux croûte. Voilà. Ouais. Mais effectivement, ce que je passe maintenant sera valable 7 ans. Très juste. Merci beaucoup. Merci, Sarrouillet. Sarrouillet neuf. Sarrouille. Sarrouille neuf. Bon, je sais pas. Ok. En tout cas, merci. Merci, ouais. Merci beaucoup. On ne peut plus dire de conneries, on est repris tout de suite maintenant. Mais c'est ça, mais on apprend en direct. Hein. Combien de temps faut-il pour faire un diag? Les pensées à l'avis militaire, on répondrait tout simplement un certain temps. Un certain temps, ou voilà. Un temps certain. Bon, pour être sérieux, il n'y a pas de réponse. C'est non, studio, maison, il n'y a pas de temps. Prend, même un studio, vous ne pouvez pas rester 10 minutes ou une demi-heure, ce n'est pas possible. D'accord. Arthur qui nous dit bonjour. Alors Arthur, c'est le, il donne des conseils aussi sympas. D'accord. Moi, il m'a marqué, c'est en disant un parking, ça peut être rentable, surtout si on sépare, oui, et on garde les motos. Oui, tout à fait. Ben, c'est pas con. Mais j'avais pas pensé. C'est pas con. Voilà. Donc bienvenue et bonjour à Arthur. Rachaud qui répond, tout dépend de la superficie. Ben voilà, tu vois, Rachaud sympa aussi. Je crois que je l'ai mis en modérateur, Rachaud. Si c'est pas le cas, je vais le faire. Hop. Rachaud, tu es devenu modérateur. Je te remercie pour le coup de main. Alors, avec un poêle à bois plus radiateur inertie fluide, classe la maison en en quelle catégorie? Bah, ça va dépendre. En W. Bah oui. On peut pas répondre. Est-ce qu'il y a des fenêtres? On peut pas répondre. Non, mais on peut si tu pas mets répondre. Un poêle, il y a pas de fenêtre. On peut pas répondre. On peut pas répondre comme ça. Saint-Péa, malheureusement, il y a pas de. Alors, Birsk. S'il faut prendre les mesures, Birsk, on peut pas répondre. Birsk. Bonjour, l'audit énergétique, peut-il jouer sur la capacité d'emprunt? T'as pas répondu à ça tout à l'heure? Je sais plus. Ah bon, il me semble que tu avais répondu. L'audit énergétique n'a rien à voir avec l'emprunt. Ah non, c'est le DPE. C'est le DPE. Oui, non, je pense que c'est ta réponse. T'as déjà répondu tout à l'heure. J'ai répondu sur le DPE. C'est les DPE qui a une incidence sur la capacité d'emprunt. Quand j'ai, voilà. En fait, on peut plus emprunter. Voilà. Moi, je suis. Hein, tu vois. Ne prête pas. Ça, on se croirait au Muppet Show, en fait. Oui, c'est ça. En fait, on va se décrédibiliser complètement avec ces lives. Non, mais moi je préfère être sympathique, être pro, mais sympathique et expliquer. Oui, évidemment. Bon, vous avez bien vu, on se prend pas la tête, mais non. On est des vrais professionnels. Ouais. Hein, je vous rassure, surtout lui. Voilà. Alors, je suis le moins sérieux des deux. Combien de temps on a vu? Merci, au moins, oui, moins de 50 lots, DPE vierge, donc possible G. J'espère que la CoPro fera le boulot. Ben, on te le souhaite. J'ai une maison de 1972 que je souhaite louer. Je dois être en quelle lettre DPE? Merci. Bonne question, répondre. Marco. Je ne peux pas répondre, Marco. Ça, tout se calcule, en fait. Chaque maison est différente. Non, non. Il veut mettre la maison en location. Il demande dans quelle lettre il doit être pour pouvoir la louer. Alors, là, il peut être encore en G. Ouais. Mais en G de 420 kWh par mètre carré par an, entre 420 et 449. Voilà une réponse, il Marco. Il pourra la louer jusqu'en 2025. En 2025, il ne devra plus être en G, il faudra qu'il soit en F. Même avec le locataire dedans? Oui. Ah, ça veut dire qu'il va faire les travaux pendant que le locataire est dedans? Non, en fait, ça dépend. Si le locataire rentre dans la maison aujourd'hui et il reste 10 ans, ouais. Le locataire est rentré avec un DPE qui est en cours de validité, ouais. Marco n'aura pas besoin de refaire un DPE. D'accord. Mais quand cette personne va partir ou quand il y aura un renouvellement de bail, à ce moment-là, il faudra qu'il refasse un DPE. Et en fonction de la date... S'il est en 2025, 28 ou 34, il faudra qu'il sache. Marco, tu as eu ta réponse et merci de t'être abonné. Oui, merci Marco. Alors c'est important parce que, en fait, alors sachez-le quand même, je vous le dis, il y a régulièrement des gens qui s'abonnent, donc ça c'est génial. Mais il y a des gens, il y a plein de gens qui ne s'abonnent pas en fait. Ils posent la question puis ils disparaissent. Et puis en vous abonnant, en fait, c'est une certaine, non pas reconnaissance, mais c'est une façon de dire merci. Oui, c'est vrai. Parce que ça nous donne. Moi, ça me. Alors, c'est grâce aux personnes qui se sont abonnées que je peux faire des lives, puisque il faut avoir au moins 1000 personnes. Donc, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées et celles qui vont s'abonner aujourd'hui, demain, etc. Et celles qui se sont abonnées hier. Jusqu'à t'as quand... T'as fait le mettre le dehors, là. Ouais, j'ai mis ouais, lunettes, t'as vu, ouais. Jusqu'à quand les logements de classe F sont-ils louables? 2028. Merci. Alex, ça, c'était pour toi. Sarrouille, on a vu ça. Je suis obligé de remonter parce que je pense que j'avais fait des trucs. On l'a zappé. La voiture. On a tous les messages qu'on a encore. ouais, 23. Que pensez-vous de Pléiade? Est-il un bon logiciel? Pléiade, je l'ai vu passer une fois, il est bon. Je ne sais pas s'il est homologué pour faire le DPE. Il était très technique, il avait l'air d'être très bien. Je ne l'utilise pas, donc je ne peux pas dire ce que j'en pense. Je l'avais vu une fois, il était pas mal, mais je ne l'utilise pas, donc je ne sais pas.
Alors, on a deux drips Biggie. Le foncier augmente pour faire vendre aux gens qui ne sont pas capables de payer. Ça profite aux riches. Bon, pourquoi pas. Qui profite le crime ? Bah ouais, aux salauds de riches. Enfoirés. Ouais. Marie-Laure Voyante. Sympa Marie-Laure, elle me suit régulièrement. Oui, les avis sur Google sont importants et je te remercie puisque Marie-Laure, elle a mis... Alors, les bons avis sur Google sont importants. Mais même les mauvais, parce qu'en fait, ça rend crédible. Moi, dans mon précédent métier, quand j'avais l'étude d'Oumer, une agence que j'ai fermée en 2017, j'avais, au départ, les types qui géraient ça me disaient « Mais on a un problème, vous n'avez que des 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5, c'est pas crédible. » Et un jour, je me suis fait tacler, mais à mort. Le mec, il m'a mis zéro, un fou. Ok. Et donc, j'ai demandé, je vais être honnête avec vous, hein, j'ai demandé, est-ce qu'on peut enlever ce commentaire ? Le type m'a dit oui. Si, on pouvait enlever le commentaire, je ne sais plus comment. Et je me suis repris en disant non. Parce que finalement, vous le laissez parce que ça crédibilise tout le reste. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, si vous avez envie de nous descendre, enfin, moi, je parle pour moi, si vous trouvez que c'est merdique, De nous descendre. Ouais. Attention, au sens figuré ou au sens propre. Non, sens figuré, j'insiste. Okay. Oui, on sait jamais. On sait jamais. Il y a des fous de la cachette. Non, lo conosco. C'est une entreprise qui propose des diagnostics immobiliers. Alors ça, tu vois, c'est SIFA 13010 qui gentiment doit dire qu'est-ce que c'est que Diagvision. Merci, Diagvision, SIFA. Diagvision, c'est une société qui propose effectivement les diagnostics. Et tu vois, pour te remercier, SIFA, je te mets en modérateur. Merci beaucoup. Mais je vois que c'est SIFA 13100. 13010, c'est Marseille. Dans le sud. C'est Marseille. Et à moins d'avoir une très belle mission dans le sud, mais... Tu n'iras pas. J'en ai déjà fait, hein. Et ben alors. Passant, hein. Ah oui, je crois qu'on avait dû se parler, t'étais parti pour un immeuble complet ou un truc comme ça. Oui, absolument. À Cannes. Oh, tout à fait. La mémoire. Eh, les papys ont de la mémoire. Et même à Venise, hein, rappelle-toi. Oui, c'est vrai. C'est lui qui a pris les photos de l'appart que j'ai à vendre à Venise. Quand même fort, quand même. Donc ça, on a vu. Les logiciels, on a vu. Oui. Sympa et instructif. Merci Marie-Laure, c'est sympa. Merci, c'est très gentil. Comment devenir ? On a déjà répondu. Bonjour, existe. On a répondu. Quel isolant a la meilleure inertie ? Ça, c'est Rams. Alors, on ne peut pas répondre à ça. Bon. On ne peut pas répondre à ça. Par rapport à quoi ? Vous voulez avoir quelle note ? Je ne peux pas répondre à ça. En fait, il faut faire une projection du DPE avec les solutions et voir. Alors, ce n'est même pas une inertie, c'est plutôt une résistance thermique. Quel est l'isolant, quelle est la meilleure résistance thermique pour avoir un isolant, une inertie, c'est bon, si on ne peut pas répondre, on ne répond pas. Firimed, bonjour. Bonjour Firimed. Firimed, il a mis un avis sur Google. Merci beaucoup. Merci beaucoup Firimed. Mais ce n'est pas pour toi, c'était pour moi. Là. Ah bon, bah, merci. Pas grave, merci pour lui. Alors, Tom Malbeau, mieux vaut isoler la toiture ou les murs par l'extérieur ? Alors, ça, je pense que. Quoi qu'il arrive, c'est la toiture. D'accord. La chaleur, le phénomène de la chaleur, ça monte. Ouais. Si vous isolez tous les murs, la chaleur elle va toujours monter et à la limite elle va encore mieux monter parce que ça va faire comme un effet cheminée. Oui, ouais, bien sûr. Okay. Il faut d'abord arrêter la chaleur par le haut, donc toiture ouais. Et ensuite mur évidemment, mais toiture si vous avez à choisir entre les deux, toiture en premier. D'accord. Bon ben voilà. Tom Malbeau, ça c'était ta réponse. Alors il y en a qui attendent. Bonjour collègue Bralox. Ah ben salut Bralox. Tu le connais ? Non mais bonjour quand même. Débo, ce live est top, merci. Merci à toi Débo. Rosalie, bonsoir. Un DPEF pour un appartement dans une bâtisse de 1930 est inquiétant. Non, pas du tout. Non. Benamar, les loyers vont-ils augmenter ? Alors, Benamar, n'oublie pas qu'à Paris, on est parisien, on a la DRIL qui a mis un truc qui s'appelle l'encadrement des loyers. Voilà, donc on ne peut pas augmenter comme on veut. Jean-Charles Auger a partagé de la vidéo live. Ça veut dire qu'il a partagé sur sa communauté. Et donc, on est susceptible d'avoir plus de monde. Ah, ok. Plus super, il y a de monde, merci beaucoup. Plus il y a de monde, plus intéressant, puisque quand on n'arrive pas à répondre, les gens répondent eux-mêmes et s'entraident. On va faire sauter la baraque avec ton live. Hein. Ouais. c'est top. Alors, bonjour, je veux me lancer dans la location d'appartement s'il ne faut pas acheter F ou G. Alors, l'Elex 72, le transactionnaire ou le conseiller immobilier que je suis, va te dire que si tu achètes du G, attends-toi à devoir faire des travaux pour pouvoir le mettre en location. Puisque si tu achètes aujourd'hui que tu es propriétaire en G, tu n'as pas le droit de le louer. Voilà. Absolument. Et en F c'est 2028. Donc si tu achètes du F, tu es tranquille jusqu'en 2028. Autant dire que c'est moyen court terme. Hein. Ouais, parce que ça va vite. Hein. Alors, Cro de la Haye.
Un ballon d'eau chaude plus petit peut-il améliorer le DPE ? Oui. Ah bon ? Ah, c'est marrant. Oui. D'accord. Oui, oui. Ah, ben oui. Oui, d'accord. Absolument. À l'inverse, si tu mets une piscine pour chauffer ton appart. Ah, oui, d'accord. C'est logique. Anaïs. J'ai répondu court pour qu'on puisse répondre à toutes les questions. Non, mais voilà, j'ai répondu. Ah, oui. Ouais, ouais. Bah, ça me va. Hein. Beaucoup de logements vont être mis en Airbnb avec l'interdiction de louer. Eh ben oui, Arthur, il a raison, c'est une des conséquences qui est possible. Puisqu'en Airbnb, on s'en fout complet. Ah ben, pour l'instant, quand on loue un Airbnb, on n'a pas besoin de fournir de DPE. Ben oui. Alors d'un côté, on cherche à supprimer, à lutter contre le Airbnb dans Paris. Encore une fois, je parle de Paris. Et de l'autre côté, on fait en sorte... C'est à la française, en fait. Ben non, mais on veut... Enfin, bon, c'est à la française. Je ne vais pas rentrer dans la politique parce on va se battre. On va, ouais. Est-ce que vous voulez qu'on se batte en live ? Ah ouais, on peut, non. Ouais. Ouais. Arthur, tu as raison. C'est, alors, bien faire attention pour les. Alors, ça, c'est Sarouille. C'est Sarouille ou Sarouillé, je ne sais pas. Je suis désolé si je décorche ton nom. Bien faire attention pour les augmentations de loyer à venir à ceux qui désirent louer leurs biens. Bien faire attention pour les augmentations de loyer à venir à ceux qui désirent. Louer leurs biens. J'ai pas compris. Je comprends pas tout en fait. Mais si tu peux repréciser, je suis sûr que c'est intéressant. SDN, Monsieur Sadou, nous avez dit que vous exercez depuis 15 ans. Êtes-vous l'un des premiers pros du secteur ? Alors, je suis un des premiers diagnostiqueurs de France. C'est une bonne question. C'est vrai ? Ouais, je savais pas. Je suis numéro 21e dans mon organisme de certification. Non, c'est numéro 21. Alors, en français, il est pas bon. Hein. Je suis numéro 21. Oui, je suis numéro 21e. Non, je suis le 21e dans le listing. Dans le listing. Et c'était un des premiers organismes certificateurs c'est à l'époque, ouais, quand j'ai commencé. Et avant moi. Ils on s'est connu à tes débuts alors ? Ah, bah oui, absolument. Ah, c'est marrant. Je suis un vieux de la vieille. Hein. Ouais, moi aussi. Ben voilà, Esden. Le tout premier. Ouais. C'est drôle. Alors, Gou qui te remercie. Alex qui dit merci. Merci à vous. Hein. Merci, je vous assure. Ouais, ça semble idiot de notre part, mais quand vous marquez merci, c'est sympa en fait. Bah, on prend un petit shoot de morphine. Moi, j'aime bien. Hein. C'est très sympa. Ouais, ouais. Mais je suis déjà en F, donc je peux la louer tranquillement. En plus, j'ai fait des travaux. Ben voilà. Oui. Alors, Marco. Je crois qu'en F ou G, il y a un encadrement de loyer. Par contre, il y a quand même une restriction, mais... Il peut encore la louer jusqu'en 2028. L'encadrement de loyer. Je ne me rappelle plus les dates sur les encadrements de loyer parce que c'est pas que c'est plus trop mon domaine, mais ça sort un petit peu de mon domaine. Ouais. Moi, c'est est-ce que vous pouvez louer ou pas louer ? Je peux répondre oui ou non. Ouais. Par contre, l'encadrement du loyer, là, ça sera peut-être. D'accord. C'est pas trop mon domaine. Okay. Bon, ben voilà. Rachaud, les biens du Sud sont-ils favorisés pour les notations DPE ? Le climat influe sur le DPE ? Alors, c'est les zones climatiques. Parce qu'on est obligé de marquer le département. D'accord. Et il y a plusieurs zones climatiques en France. Et en fonction que vous soyez dans le nord ou dans le sud, évidemment que ça va être différent. Les bases de calcul vont être différentes. D'accord. Mais ils en tiennent compte. Ouais, Brest Corsaire, bonjour. Je suis en F ou G. Est-ce que la copropriété peut m'obliger à changer ma fenêtre ? Alors, c'est une bonne question. Non, la copropriété, elle vous oblige en rien du tout. C'est votre appartement, vous faites ce que vous voulez dedans. Mm. Si vous avez envie de le laisser en G, vous pouvez. Mm. Si vous avez envie de le mettre en A, vous pouvez. Mais c'est à vos frais. Ils n'ont rien à vous exiger du tout. Alors, Bralox, si un diagnostiqueur vous dit une lettre sans être venu sur place, dites-vous que c'est une arnaque. Alors, moi, je suis plutôt d'accord et je pense qu'on l'a déjà dit tout à l'heure. Oui, mais une arnaque, mais à plein nez, c'est impossible. Mais je vous en supplie. C'est dommage parce que je voulais mettre un 0900 machin en disant vous appelez et puis on vous donnez l'adresse et on envoie la lettre du DPE. Ah ouais, on ne peut pas faire ça. Évidemment. C'est à mon avis, il y en a qui ont y pensé, qui ont pensé à ça. Sortir une lettre sans se déplacer, c'est impossible. J'ai des fenêtres. Alors, c'est des beaux. J'ai des fenêtres bois double vitrage des années 90. Qu'en pensez-vous ? C'est mieux de changer ? J'ai des fenêtres en bois double vitrage. J'en pense rien parce qu'il faut voir la note que vous avez sur le nouveau DPE, voir les déperditions de chaleur, ce qui se passe par les fenêtres, etc. Déjà, elles sont en double vitrage. Mais dans l'absolu, j'ai pas. Il y a plusieurs double vitrages. Ça commence à 6 mm. Il y a de l'argon, il n'y a pas d'argon. Ouais, ouais. Je ne peux pas répondre à cette question. Et ça peut être un double vitrage inséré dans un châssis bois à l'ancienne. Oui. C'est encore autre chose. Mais des beaux, c'est pas évident. Déjà, vous avez déjà du double vitrage. Vous n'avez pas du simple vitrage qu'ils appellent les fenêtres en papier. Hein. Donc, comme c'est ici, déjà. Comme ça. Il n'y a pas de fenêtre. Alors, c'est les locaux commerciaux ne sont pas soumis au DPE ? Non. Alors, ils sont soumis au DPE, mais ce n'est pas le même DPE. C'est-à-dire, c'est le DPE encore à l'ancienne. Le DPE nouvelle génération depuis 21, ce n'est que pour de l'habitation.
Pour le tertiaire, ce qui est commercial ou quoi que ce soit, c'est l'ancienne version, c'est encore ce relevé de facture, donc c'est autre chose. Mais il n'y a pas toutes ces restrictions de 2028, 2034, il n'y a pas. Alors sympa, sympa, bah, putain, on ne l'avait même pas vu celle-là, sympa. Où ça ? On a eu, ben là, sympa. Ah, sympa. Ben oui, ah, ben sympa. Oui, on est con. S-A-I-N-T. Innocent tout à l'heure. S-A-I-N-T, ouais, ouais, plus loin ouais, PA. Ouais, ouais, ouais. Sympa. Alors sympa, les banques ne prêtent plus pour une maison en catégorie G. Ouais, sûrement. Ah, ouais. Ah, c'est une question, hein. C'est pas une affirmation. Ah, hein. Alors en général, quand vous êtes en G, si vous faites un prêt, vous avez très peu de chances d'être recevable, si on peut dire. Voilà. Donc tout ça, je pense que. Oui, ça, on l'a fait le poil à bois. Ouais, ça, on l'a vu. Ouais. L'investissement de départ pour l'achat de matos. Ça, c'est RAMS. On a encore 46 nouveaux ouais, messages. Ouais, là, ouais, ouais je sais. Ouais, ouais. PEB en Belgique. Ah, ok. Bah, intéressant. Najib Benkala. Alors. Croc de la Haye, quel est RT d'isolation de 2005? Une facture d'isolant laine de 10 cm est-il mieux que ce RT? Rien compris. Moi non plus, j'ai pas compris. La RT, c'est la réglementation thermique. Alors, effectivement, il y en a en 2005, la dernière, elle date de 2020. C'est pour la rénovation, pour la fabrication d'immeubles neufs, hein, d'immeubles de construction neuve. Il y a une certaine obligation de construction. Mais j'ai pas. Tiens, regarde, Marco, merci à vous deux, je vais me renseigner pour l'encadrement des loyers. Merci à toi, Marco, c'est super sympa. Oui. Alors, on a une réflexion quand même de haute voltige que je partage, et il a raison. Si Jeff Bezos peut acheter Angers, il aura son prêt. Je dirais même, Jeff Bezos n'a peut-être pas besoin du prêt, il va racheter la banque et foutre tout le monde dehors. Absolument, c'est même pas il va acheter l'appartement, il va acheter la banque. Il a acheté le pays voilà, et il ça. En a rien à péter. Il est bien, Jeff Bezos. Vraiment, il est fort, hein, ce mec-là. Donc, Matri. Alors, maintenant, je cherche s'il y a des jeux de mots ou pas. Matri, je ne sais pas. Comment se former sur le DPE en tant qu'investisseur pour savoir les points d'amélioration? Ah. Bah, comment se former, faire la formation, ouais. Prérequis dans le bâtiment. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais pas. Philippe, tu peux remonter, s'il te plaît. Tu as zappé ma question. Merci d'avance. Alors, ça, c'est Firimed. Alors, Firimed, tu m'aides, hein, parce que. Non, Siri, il m'aide. Firi m'aide. Oui, parce que tu demandes si je peux t'aider. Ah, qui non, c'est con. Ah oui. Qui ah oui, pas mal aussi. Oui, pas oui, mal. Mais j'essaye de jouer le jeu. Le problème, c'est d'avoir deux cons en ligne. Quoi. C'est, ouais, toi c'est... et moi, c'est, ça alors, fait un peu beaucoup. On a alors, trop de messages. Voilà. Hein, je ne sais même plus où choisir. Où Rosalie, merci beaucoup pour vos réponses. C'est très sympa. Merci à toi. Rosalie. Chez moi, vers. Bon, alors, on va revenir. Guillaume, les combles. Oh là là, putain. Mieux vaut isoler la toiture. On a répondu. Firimed, bonjour. Alors j'ai zappé. Bonjour Colette. J'ai zappé, je la vois pas. Alors le mieux, Firimed, à la limite, c'est de la réécrire la question parce qu'il y en a. Je sais pas si c'est possible de faire un copier-coller parce que je ne retrouve pas ta question. Pour investir en immobilier, c'est le moment où dans 6 mois, Basic Methods, c'est le moment. Négocie les prix tout simplement. De toute façon, les banques ne prêtent pas pour la location en F ou G. On vient de dire, ils vont être très réticents pour. Financer du G. Je viens d'acheter un appart en C, bravo. Très bien. Le liège est-il un bon isolant extérieur? Oubliez le liège. C'est... Extérieur? Extérieur, non. Certainement pas. Ouais. Mais oubliez le liège, il y a tellement de choses. Peut-on gagner mieux. Une lettre dans le DPE en isolant les combles perdus de son logement? Ah bah évidemment. Voilà bien ta sûr. Réponse. C'est quoi un viager et une vente à terme? Alors terme, ça ne s'écrit pas comme ça, ce sont les termes pour se faire du bien. Mais je ne répondrai pas à cette question parce que c'est un petit peu plus compliqué. Si c'est un sujet qui vous intéresse, envoie-moi un WhatsApp ou un SMS. Alors c'est français, puis c'est un cafard à côté, non? Je sais pas. Je le vois. Ou un cercueil? Ben, je sais pas. Excusez-nous, hein, il y a deux vieux. Alors c'est quoi un viager et une vente à terme? C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Le viager, c'est quelqu'un qui. On a un aléa. On parie sur la durée de vie de la personne qui est propriétaire. Et la vente à terme, il y a la durée de vie du vendeur n'est pas prise en compte. Question peut-être bête, mais pourquoi le ballon peut faire baisser le DPE? Parce alors, que moins tu as un dispositif important pour chauffer de l'eau. Alors en fait, le ballon, c'est une source. En fait, dans le DPE, il y a 5 postes de consommation: eau chaude, chauffage, climatisation, auxiliaire. Et refroidissement. L'eau chaude, en fait, le ballon, il est
Il est standardisé, donc il faut un certain nombre de litres par personne. Si vous dépassez ce nombre de litres par personne, par exemple, vous avez un verlon de 150 litres dans un appartement, une pièce, ben en fait, ça ne colle pas du tout. Donc la consommation, elle va complètement exploser et vous allez avoir une lettre genre un G. Hein, c'est, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, c'est ça. Ben voilà. Si j'ai un locataire déjà en place, dois-je réaliser un diag? Ça, c'est Rams. On a déjà répondu à ça. Alors, si vous avez un... On a répondu à ça. Oui, je crois que... Oui, on l'a répondu tout à l'heure. Donc, la réponse est oui, si il part, non? Alors, c'est pas ça. Un locataire qui est en place, il y a un renouvellement de bail, même avec le nouveau locataire, ouais. Il faut refaire les diagnostics. D'accord. Qui sont périmés au moment de ce renouvellement. D'accord, merci. L'immobilier va baisser avec tout ça. C'est déjà le cas. Gladys, Mum Life. Si on achète avec des locs en place, des locataires en place, comment les sortir pour pouvoir augmenter les loyers, s'il vous plaît? On peut pas les, on peut pas. Tu peux pas sortir un locataire. Les lois françaises sont très strictes et en France, on protège à l'extrême, j'ai envie de dire, les locataires, voire même les locataires de mauvaise foi. Ce que tu peux faire, c'est ne pas louper la date anniversaire de renouvellement du bail. À un jour près, le bail repart en automatique. Donc, il n'y a pas de solution miracle, cher Gladys Mum Life. Rams, et après pause de VMC, il faut créer des ouvertures dans les fenêtres pour éviter la surpression. Après une pause de VMC, il faut créer des ouvertures dans les fenêtres. Bah, de toute façon, les ouvertures dans les fenêtres, les nouvelles fenêtres, ouais, y a des petites c'est ailettes. Pratiquement obligatoire. Ah ouais, quasiment. Ces petites voilà. Ailettes qui sont en haut du montant de la fenêtre, ouais. Effectivement, ouais, elles le sont quasiment toutes maintenant. Voilà, ça c'était pour Croc de Laye. Bachir Almaz, bonjour, y a-t-il un avenir dans le métier de diag? Je souhaite passer la formation, merci. J'ai envie de te dire oui, mais il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Attention, c'est un métier qui est difficile. Hein. C'est, ouais, je peux vous dire que mon copain il fait des kilomètres. Hein. J'en fais. Il faut en faire. Hein. Bon, il y a aucun métier qui soit simple hein, de toute façon. Il faut se donner les moyens d'y arriver. Alors, Matri, qu'est-ce qui se passe en 2028 avec le locataire en place? On vient de le dire. Eh bien oui, si en 2028, il y a un renouvellement de bail et il se trouve que le... Tu sais quoi, on va noter, alors, parce que quand une question revient assez souvent comme ça, on va faire une vidéo que là-dessus en fait, okay. Et il n'y aura pas de live. Ok. Donc, quid du DPE avec locataire en place. En place. Alors, ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Ouais. En gros, en 2028, si vous refaites un DPE, il ne faut pas qu'il soit en F, il faut qu'il soit en E minimum. Voilà. E maximum. Minimum. Alors, c'est ici. C'est là. Le orange. Enfin, voilà. Ouais, jaune-orange, là, ici. Voilà. Liège, non. Les propriétaires occupants vont être obligés d'isoler. Bah, tout dépend de la lettre qu'ils ont. S'ils sont en passoire et ils veulent changer, oui. Ça... Alors attention, Lydie, ça c'est un truc, on n'en a pas parlé. Ça, c'est Ayam Kamel. Alors lui, il est chez IAD, il est sympa aussi. Même s'il n'était pas chez IAD, il est sympa. C'est quelqu'un que j'aime bien. Okay. Le... Oui. Ok, non, mais c'est important de dire, parce que des fois, on peut dire des choses exact. Et puis on y prend. Voilà. Vous avez entendu parler de la loi Laglaize. Alors la loi Laglaize, les types sont complètement fous. Vous êtes propriétaire de votre maison. Oui. D'accord. Vous n'avez pas les moyens de faire les travaux pour échapper à la passoire énergétique. Oui. On saisit votre maison. Ah. On saisit la maison. On la transmet à un bailleur social qui fera les travaux à votre part et vous devenez locataire de votre baraque. Je vous jure que c'est vrai. Ah bon ? Ils sont complètement fous en ce moment. Ce truc-là passe. Sincèrement, je pense que... Alors, on a supporté beaucoup de choses, mais là, je pense que ce serait la... Non, mais là, the cherry on the cake. Oui, ou la cerise sur le gâteau. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, je ne plaisante pas, c'est vraiment vrai. Hein. Donc, Lydie, on est dans un monde... Il y a une accélération dans la folie, en fait. Hein. Putain, 63... Ouais, je sais. On essaye de répondre. On va rester jusqu'à soir. Ouais, non. Alors, les logements classés en F ou G... Faites-nous du café, on va y passer la nuit, s'il vous plaît. Les loyers ne peuvent plus être augmentés depuis août 2022. Ça, c'est Sarouille. Elle est bien, Sarouille. Est-ce que je la suis? Bah oui, bien sûr. Non, je suis pas sûr. Hein. Mais si. Attends. Non, eh bien Sarouille, tu as gagné un... Elle s'en fout d'ailleurs, vraisemblablement, et elle a bien raison. Un follower. Oui. J'espère que tu me suis d'ailleurs. Stella Stouche. Stella Stouche.
Eh les gars, le DPE est-il pris en compte dans l'estimation d'un bien? Ah oui. Ah ben alors ça, oui, très clairement. Pourquoi? Tout simplement, puisqu'on en a parlé, si tu as quelqu'un qui veut acheter, le mettre en location et qui sait qu'il ne peut pas le louer parce qu'il est en G, il s'attend à devoir faire des travaux. Donc, il va négocier à hauteur des travaux à envisager. Et s'il veut y habiter, bah ici, qu'à un moment donné, s'il veut revendre, s'il veut y habiter, il s'attend à avoir des notes énergétiques ou des factures d'énergie importantes. Mmh, voilà, donc Stella, voilà, Stella's Touche, il paraît. Touch. Stella's touch. Non, avec un E à la fin, c'est oui, Touche. C'est vrai. Ivan Odd a suivi le créateur du live. Merci. Aleximo avait déjà répondu, salaud. Il a répondu avant nous. Bah oui. Tu vois, il faut aller vite. Hein. Putain. Gladys, oui, si on achète. Allez, ouais, c'est un malade. Najib, France ou Belgique? Bah France. Nous, on est en France. Merci à vous deux, je vais me renseigner. Ça, on l'avait vu. PEB en Belgique. Quelle est la RT? On a vu. Jeff Bezos, on l'a vu. Ouais, il ouais. Achète tout. Ikaï. Ikaï, bah ouais, Ikaï. Enfin, pas tout le monde en ce moment. Merci, Ikaï, merci à toi. Ikaï diagnostic, ça peut le faire quand même. Ikaï diagnostic, ouais, c'est pas mal. Moi, et on vend des chaudières frisquées. Ouais, mais moi, j'aime bien le chauffagiste Gérard Manfroid. Ah oui, ça, c'est très bon aussi. C'est pas mal, il y a des noms qui vont bien, ouais. En fait. Alors, comment se former sur le DP? On a vu tout, sauf de la laine de roche. Ça, c'est Augustin qui doit être pro, à mon avis, du truc. Eric. Alors, Eric, ça y est, Eric s'est connecté. Alors, Eric, c'est pour lui que, en fait, on faisait cette vidéo. Ah, ok, Eric. Ouais, enchanté. Parce qu'il m'a dit, ouais, moi j'ai des questions, je voudrais savoir qu'est-ce que ça change, etc. Donc, ça change quoi entre D et C? Ben, ça change rien. Enfin, c'est pas que ça change, vous allez améliorer, mais de toute façon, en étant en D, il n'y a aucune restriction. Donc, vous pouvez le laisser en D. C'est G, F ou E, où il faut faire des travaux de rénovation énergétique. Si vous attendez, vous n'êtes pas obligé. J'ai pas très bien compris. Ouais, en fait, Eric, ouais. Est-ce que tu peux clarifier un peu ta question, s'il te plaît? Lydie, je suis en copropriété d'immeuble de 1893, comment isoler? Alors déjà, en copropriété, on n'est pas obligé d'isoler. Après, Lydie, on ne peut pas forcer une copropriété à isoler. Donc, c'est de l'isolation appartement, lot par lot. Ouais, ça sera pas et du 1893, ce sera forcément de l'intérieur, à mon avis. De l'ITI, ouais. De l'ITI. Ouais. J'ai appris un mot intelligent. Alors, ça rouillait. Ça rouillait, on dirait du créole. Comment rouillait? Oui, je vous suis, je suis très intéressant et c'est surtout en tant que nouveau diagnostiqueur. Eh ben bravo, tu vois, une consoeur. Ah ben, enchanté. Ben, bienvenue dans le métier. Et alors, ça rouillait neuf, c'est dans le département du neuf ou aucun rapport? Ah ben oui, tiens, peut savoir. Alors, copropriété, comment isoler? Ben, Lydie, tu fais venir Franck Sadoun, il te fait une évaluation thermique, énergétique. Je pense qu'il est plus étanche. Alors, je vais quand même vous faire un aveu. Je ne sais pas depuis combien de temps on est connecté, mais on commence à être cuit. Moi, je commence à être cuit. Non, mais j'ai la tête qui... Au moment c'est pas facile. J'ai la tête qui a tourné un moment. Donc là, il est 17h40. On reste 20 minutes de plus et puis on vous saluera. Donc, à 18h. Voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, je prends l'intégralité des lives et je les mets sur YouTube. Ah, génial. Ouais. Okay. Comme ça, tu peux te taper 2 heures de live ou 1h30. Vous êtes en voiture, puis, vous ne savez pas quoi t'as faire. Rien à faire, tu mets ça. Vous écoutez deux cons parler. Ouais, exactement. Vous allez vous éclater, c'est mieux que rire et chanson. Hein. Alors, Lydie, comble, plancher, bas et mur extérieur. Il y a Waza, tu vois, qui répond quand même. Oui, 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 oui. Oui, oui pourquoi pas. Ouais, ok. Lydia, alors, on peut faire... Alors, RP plus 1, location, le tout en vieille pierre, toit plus fenêtre 9, je sors de la lettre G. C'est pas aussi simple que ça, je pense. Hein, ouais, je peux pas répondre à ça. Il faut le travailler. C'est le logiciel qui va nous le calculer. Pas, voilà. De vous le faire de tête, je vais vous dire des bêtises. Moi aussi, je commence à bégayer. Ah, tu vois. Je pense qu'il y a des algorithmes hyper performants dans les logiciels que tu utilises. C'est il faut rentrer les données. Et ça pond un résultat. Donc, on ne peut pas répondre comme ça. Gabriel B, j'aime bien votre démarche de faire des lives et expliquer des sujets comme ça. Gabriel B, on te remercie tous les deux. Oh, Gabriel. L'idée, c'est encore une fois, parce que j'avais déjà fait des lives, c'est vraiment de vulgariser un petit peu les choses pour les rendre accessibles à tout le monde. Absolument. Moi, je trouve que ce n'est pas intéressant quand on parle entre professionnels, où on fait monter deux professionnels, et puis franchement, moi, ça m'emmerde. Truc, alors que là, c'est constructif. Moi, je trouve ça plus intéressant. Il y a des questions techniques et des questions propres, et on répond. Exact. Et merci, Gabriel. Comment s'appelle votre chaîne YouTube? Ah, merde.
J'en sais rien, Arthur. Je vais le noter. Ça doit être Philippe Jean-Louis sur YouTube. Tape Philippe Jean-Louis sur YouTube. À mon avis, ça doit être ça. Ikaï, merci pour vos réponses. Philippe, Monsieur Flaco. Bonjour, j'ai 25 ans et j'aimerais acheter mon premier bien. Je peux avoir un taux zéro. J'y crois pas aujourd'hui. Des taux zéro, et ça encore, le prix à taux zéro, les PTZ, c'est encore une chose, Monsieur Flaco. Si vous achetez dans du neuf avec un DPE en C ou quoi, peut-être, il faut voir avec votre banque. Là, dans Paris, moi, c'est pas ma clientèle, donc je ne sais pas répondre à ça. Arthur, j'essaierai de marquer ma chaîne YouTube. Ah ben si, Arthur, elle est dans ma bio. Il y a un bouton là-haut. Parce qu'à chaque fois que je vois des TikTok, les gens font. Et n'oublie pas de cliquer sur le truc et d'appuyer sur le like. Hein. Non, alors ici, la chaîne YouTube, elle est sur le petit logo YouTube tout en haut. Les diagnostics. Alors, Tristan, les diagnostics sont souvent basés sur des estimations d'isolation. Au final, un D, peut-être un E ou un F. Un F, pardon. Ben non, c'est pas basé sur des estimations. C'est soit on peut le constater, on a des factures.